2016 Coca-Cola Zero League of Legends Champions Korea Summer Round 2. Et bienvenue messieurs dames, bienvenue dans votre matinée coréenne, n'est-ce pas? Aujourd'hui, 9e semaine, 3e journée de cette LCK Tech Tech, un Samsung SKT qui commence à jouer sur les meilleurs aspects. Et oui, effectivement, on va avoir quand même un plutôt beau spectacle. Directement le matin à 10h, paf, SKT Telecom T1 versus Samsung Galaxy directement dans ta face. Ça risque d'aller faire un beau BO. C'est dire. Ça, exactement. C'est-à-dire que là, si tu l'as encore au stade du petit déj, que t'as mal dormi parce qu'il faisait grave chaud, qu'il y avait des moustiques, qu'à cela ne tienne aujourd'hui, tu vas oublier tout ça à base de violence, à base de skill. Au niveau du classement, mon bon tech, alors SKT T1 actuellement c'est deuxième position dans cette SCK avec tout de même 2 BO de retard par rapport aux Rock Tigers avec déjà 13 points, donc ce qui fait qu'en fait sur le papier SKT T1 est premier avec un point d'avance et avec, avec masse marge de manœuvre. En fait les gens sont beaucoup trop forts, ils passent son parti beaucoup trop loin contre des Samsung qui eux sont 3e. Ouais, effectivement, Samsung qui s'est hissé justement à cette place du tableau pendant que ton regard me transperce. Effectivement, les Samsung qui... Ça va bien se passer. Tout ira bien. Samsung qui ont réussi à se hisser à la 3e place du podium, fait. Vraiment rentrer un petit peu dans ce top tableau LCK. C'est pas forcément la chose la plus simple à faire vu le niveau global de la ligue. Avec des Cathy Rollsters qui sont un petit peu derrière en sneaky, qui essayent d'aller les chercher, qui ont récupéré ce match contre les... MVP. MVP juste hier. Un match d'anthologie, les Cathy Rollsters qui ont juste complètement roulé sur les MVP, c'était plutôt stylé à voir. Mais j'ai envie de te dire, tu dis Katie, il est en position, tu vois, des chauffourées juste derrière, mais il n'y a pas que en fait. J'ai l'impression que toute la ligue coréenne, elle est cachée dans un buisson, prêt à te sauter à la gorge pour accrocher ce haut de tableau. Et c'est vrai que pour revenir sur Samsung, on en a parlé plusieurs fois pendant le split, c'est une équipe qui était bien l'une des meilleures du monde, enfin une structure qui était l'une des meilleures du monde à l'époque des line-up jumelles, et qui depuis ce schisme, j'ai envie de te dire un petit peu, au niveau de l'OGN, a eu du mal à retrouver un niveau aussi, il y a eu aussi haut. 2-3 saisons à vide total pour les Samsung, vraiment. Et c'est vrai que là, cette saison-ci, cette saison 6, bah, ils le montrent clairement, ils sont meilleurs. Ils sont meilleurs, ils ont bien montré en termes de montée en niveau. C'était quand même assez solide des Samsung qui savent un petit peu sortir les mécaniques et aller chercher les adversaires. Après, ils sont contre les Samsung, contre les SK Telecom T1 qui. Bon. Voilà, c'est SKT T1, les gars sont premiers, la structure est première sur la plupart des jeux majeurs en Corée actuellement. Le roster est complètement ouf, le panel stratégique est complètement dingue, le panel analyste est peut-être le meilleur e-sportivement parlant. Bref, on va peut-être pas faire l'inventaire des forces des SKT, parce qu'il y en a beaucoup trop, il y passerait 3 heures, mais les gars sont beaucoup trop bouillants. Côté Samsung, alors au niveau de l'historique, bon, ils sont fait pulvériser sur 1-0-2 par Rock Tigers dernièrement, mais c'est pas grave, j'ai envie de te dire, puisque derrière c'est un 2-0 contre Jiner, 2-0 contre Longzhu, 2-0 contre ESC Ever en date. Donc clairement, QV, Ambition, Crown, Ruler et Vrace sont plus que chaud bouillon aujourd'hui, pendant qu'on voit le petit point sur le classement. Donc une fois de plus, gardez à l'esprit, SKT T1 est deuxième, mais avec 2 BO de retard. Ouais, effectivement, du coup, le premier BO, ils vont le faire. Aujourd'hui contre Samsung, lors de la dernière rencontre des équipes, les SK Telecom T1 avaient remporté le BO 2-0 contre les Samsung, un petit peu en perte de vitesse.
C'était deux games de moins de 40 minutes, assez sèches quand même, notamment la première game qui s'est finie en 33 minutes avec des SK Telecom T1 qui étaient bien chauds. Du côté de Samsung, je pense qu'on a quand même pas mal d'options à aller chercher pour essayer de battre un petit peu ces SK Telecom T1. On a pas mal d'options pour se faire défoncer, tu veux dire. Non, les gars, quelles sauces on se fait bouffer aujourd'hui? Non, c'est vrai qu'il y a un panel assez large. Samsung, c'est une équipe qui est très complète. C'est en fait une équipe vraiment polyvalente dans le sens où tu peux avoir un format hyper carry avec Crown qui apporte en général 32% des dégâts de son équipe, ce qui reste énorme. Mais on a des pourcentages de dégâts pour la top lane, pour la jungle qui sont très intéressants, qui montrent également que c'est possible de jouer en quadra menace, c'est possible de jouer en triple menace, c'est possible de jouer en POC, c'est possible de jouer en compo pick-up, bref, tout est possible, tout est réalisable, tech, j'y crois. C'est le jeu de la vie. C'est le jeu de la vie. Effectivement, c'est vrai que du côté de Samsung, en fait, je pense qu'ils ont deux options assez intéressantes à analyser. Ils ont donc notamment cette top lane avec QB, tu le disais, qui est capable de jouer sur des énormes tanks et aussi sur certains bruisers un peu carry. Il a ce choix en fait de pouvoir faire plusieurs choses différentes. Et il peut aller éventuellement aller chercher justement la top lane de ses SKT T1. C'est vrai que du côté de Duke, on est un peu plus sur des champions tanky, on arrive moins à être efficace sur des bruisers. C'est vrai que Duke va donner un peu plus de ressources en fait à son équipe, même s'il arrive à mettre les dégâts. On a une autre force aussi du côté des Samsung, c'est qu'en termes de ward posé, c'est une stat qui est très intéressante que j'ai eu un peu de mal à comprendre au début, c'est que les Samsung ward beaucoup plus que les SKT T1, et ils déward aussi plus que les SKT T1. En fait, du côté des SKT, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que Wolf, qui est peut-être un des meilleurs supports du monde actuellement, il est juste monstrueux. C'est aussi un des supports qui ward le moins de Corée. Il met en moyenne 1,25 ward par minute, alors que le reste de la Corée est autour d'une ward 40, une ward 50 par minute. C'est assez intéressant. En fait, les SKT T1, ils ont cette manière d'avancer dans la partie et de prendre le contrôle de la carte de manière très ciblée. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre beaucoup de ward partout, on va cibler des endroits de la carte. Ouais. Et ça peut. Alors, c'est une grande force que du coup, ils arrivent à se cibler en termes de ressources, ils mettent peu de ressources dans le warding, enfin des ressources qui sont bien utilisées. Par contre, du coup, ça laisse quelques failles en fait dans quelques la vision trop de des vision, peut-être. Ouais. Et QB peut aller chercher des flankings à ce niveau-là. C'est vrai que c'est intéressant cette petite statistique au niveau de la vision. De toute façon, SKT en général, dans leur manière de jouer, que ce soit sur le map control ou sur le reste, c'est toujours une optique très efficace. Ouais. C'est-à-dire qu'on investit le moins avec la rentabilité optimale, n'est-ce pas? Et c'est vrai qu'au niveau du map control, ils sont légèrement en dessous puisque SKT c'est 3,5. Ward par minute, là où Samsung t'as 3,8. Alors ça peut sembler un détail, mais si on met ça en parallèle avec le ward clear, donc la capacité bien sûr à virer les wards adverses, on a un écart important puisqu'on est à 44% environ des wards adverses clear par Samsung, là où SKT t'as 40%, donc on a quand même un écart de map control qui n'est pas si négligeable que ça. On va garder ça à l'esprit. Au niveau également de la durée de game, alors faut savoir que SKT ça va quand même relativement vite, c'est 35 minutes actuellement de moyenne, donc 35 minutes dans la méta, j'ai envie de te dire, c'est le temps quasi optimal quoi. Ouais. Côté Samsung, c'est un petit peu plus lent, c'est 41 qui pour moi en fait s'explique notamment par une capacité à finir les games peut-être un petit peu moins efficace, qu'est-ce qu'il dit. Ouais, et puis ils ont une tendance aussi à jouer à des compositions un peu plus late game, notamment Crown qui aime bien avoir, donc on le sait, hein, vraiment l'hyper carry de cette composition qui met le plus de dégâts possible. Il a tendance à jouer pas mal sur du Victor, du Azir, des champions comme ça qui vont un peu jouer plus tard en fait dans la partie, qui vont pas forcément être capables de crush rapidement la game pour essayer de l'emmener, de l'emballer en fait rapidement pour essayer de terminer vite le Nexus adverse. Ouais, effectivement, ce Nexus qu'il va falloir aller chercher avec les canines qui rayent le parquet pendant qu'on voit Coma et sa superbe cravate bordeaux et ses pectoraux gonflés, mon dieu. La puissance, est-ce que Titi One est au rendez-vous? On va faire des petits câlins au jour au passage, on motive un petit peu Faker. Alors pour revenir un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, sur les fights top lane, etc., sur les profits des équipes. C'est-à-dire que SKT en général, on investit plus tes ressources sur Faker et sur Bang. Ouais. Duke est souvent, pas forcément tout le temps, mais souvent sur un top laner utilitaire. C'est un peu le même principe dans la jungle avec Bang qui notamment sort énormément de Gragas en ce moment. 8 picks, 87,5% de win rate, 15,5 de KDA. Et il a un nombril des plus efficaces, Tech. Effectivement, il est plutôt efficace, Blink, avec son Gragas. Il est aussi très très bon avec sa Elise. En fait, il est bon avec tous les junglers, les trois junglers majeurs qui jouent, c'est-à-dire la Elise, le Gragas et la Rek'Sai. Vraiment essayer de mettre beaucoup de vision. En fait, c'est lui un peu qui apporte le map control, notamment sur la phase de laning, là oui. Où Wolf est un petit peu plus en retrait à ce niveau-là. Donc du coup, effectivement, du côté des Samsung, il va peut-être falloir essayer d'appuyer sur cette top lane, essayer de mettre à mal Duke qui risque de jouer sur les champions un peu plus utilitaires, comme tu le disais. Parce qu'à mon avis, sur la mid lane, le moment où le duel pur et dur entre Crown et Faker, il peut pas être remporté par Crown.
Et d'habitude, les Samsung misent quand même beaucoup sur leur mid laner pour essayer de faire la différence. C'est vrai. Dans les affrontements. Et c'est peut-être ce qui peut expliquer le fait que les Samsung fassent des 0-2 réguliers contre les SKT T1, parce que ils ont ce problème en mid lane, ils n'arrivent pas forcément à s'en sortir, ils n'arrivent pas à dominer le matchup en mid lane. C'est vrai que Faker a quand même bien évolué dans son playstyle, et je dirais qu'aujourd'hui, plus que vraiment un mid laner mécanique complètement dingue, ça devient un joueur en fait qui te pose une camisole de force dans la tête, qui te pose un métroïde au niveau de tes neurones et qui t'empêche complètement de pouvoir bouger sur la carte, qui mobilise toute ton attention sur la phase de lane, sur le map control. Et c'est vrai que quand t'as une équipe Samsung qui est aussi mid dépendante entre guillemets, puisqu'on le rappelle, hein, je sais que ça a déjà été donné, mais c'est tellement dingue que je vais la ressouligner, Crown qui a 32% des dégâts de son équipe, c'est-à-dire que si Crown est contrôlé, il reste plus grand chose côté Samsung en termes de dégâts. Puisque bon, on gardera à l'esprit que la line-up Samsung en général reste extrêmement talentueuse mécaniquement ou tactiquement. Et pour le coup, je suis curieux de voir la stratégie qui va être mise en place ici. Est-ce qu'on reste dans le pattern classique, c'est-à-dire on met Crown en position de force et derrière on met des utilitaires pour pouvoir le renforcer, ou est-ce qu'on essaie de split un petit peu les ressources de telle manière à ne pas accuser trop le coup sur l'opposition contre Faker? Je pense que ce serait une bonne stratégie de la part de Samsung d'essayer d'aller mettre peut-être plus de ressources sur QB ou même sur Ruler, hein, qui n'est pas forcément l'acte des carrés qui va le plus briller, mais qui est capable quand même de mettre des dégâts très très réguliers en teamfight. Il faut se méfier. Après, là on a vu le début de la draft, donc Samsung qui part sur Sivir into Rek'Sai, mais surtout la réponse de SKT T1. Blaine qui part sur la Elise, on en a parlé, un de ses. Enfin, il a trois junglers en gros. C'est Blaine. Son deuxième champion. Ouais, actuellement. Il fait ultra mal et surtout. Le Alistar de Wolf qui. Vous n'êtes pas de ma chalet. Ah, effectivement, non, clairement pas. You can't milk those. Puisque là. Alors, Wolf, simplement, hein, donc il a joué 8 fois, donc c'est son 9ème Alistar. Sur ses 8 games, 100% good rank. Il n'a jamais perdu la moindre game avec son Alistar. Et il a 8 de. Oh, le talent Tech. Parce que alors là, en fait, Tech vient de vous sortir l'analyse avec les stats et tout. Complètement de tête au talent. Je suis subjugué. Je suis un énorme fan du Alistar. Mais de Wolf. Alors c'est vrai que le Alistar de Wolf depuis l'année dernière, j'ai envie de dire peut-être même avant, mais ma mémoire n'est pas assez fiable pour que je puisse dire ça. Non, je pense qu'en concert cette année, ça fait facilement 2 ans que c'est le meilleur Alistar du monde. Ouais, il est complètement au-dessus de tout. Et en fait là Tech, moi ce qui me fait complètement me mettre trop bien, c'est qu'on a une draft complètement prise à la gorge, pick-up de la part des SKT, ouais. Avec un jungler qui va apporter beaucoup de pression, un support très agressif qui va pouvoir roam, un carry AD engage. Un top laner optique contre le lane. Et derrière, bien sûr, en position de red side, on va garder le last pick pour Faker, bien entendu. Côté Samsung, on part sur une draft. Écoute, au niveau des dégâts, c'est un petit peu split quand même. Hein. On notera, moi, par exemple, Tahmkench qui pourrait être joué en flex ici. Le GP peut-être pour QV, donc qui va porter une partie du rôle de carry de son équipe. Ruler également sur une Sivir qui va pouvoir trouver une place efficace en termes de dégâts à partir des 25-30 minutes de jeu. Et sur la mid lane, alors à voir si c'est à voir comment est-ce que les champions vont être mis, puisqu'en fait le GP peut être joué mid, peut être joué top, la Karma peut être joué mid, peut être joué support, Totem Cage peut être joué top et support. On a dans tous les cas certainement une Karma au niveau de cette mid lane, donc plutôt un mid laner contrôle. Ouais. Donc aujourd'hui, Crown, de grandes chances qu'il soit plutôt au service de son équipe. Ouais, et je trouve ça très intéressant de la part des Samsung. Là, on a vu du côté des Samsung, des SKT T1, une énorme composition pick-up. C'est-à-dire que là, en termes de pick-up mono-cible, entre le cocon de la Elise, la flèche de H, on a énormément de choses. En fait, ils peuvent aller chercher quelqu'un de très loin. D'ailleurs, le follow-up est énorme parce qu'on a un Gnar et un Alistar. Donc on peut vraiment appuyer des contrôles et one-shot une cible. Du côté des Samsung, on réagit plutôt bien parce qu'on a quand même pas grand-chose qui est facile à attraper de loin. On a une Karma qui va être très utilitaire, qui peut esquiver un petit peu avec le shield. Pouvoir se remettre safe. Le GP, on le sait, avec une orange, c'est quand même assez difficile de mettre un contrôle à très longue distance. Il va falloir être très rapide sur l'appui de contrôle. Peut-être Wolf. Et derrière, c'est le petit Ryze de Faker. Il était disponible. Et d'ailleurs, petit point au passage, Vladimir était complètement open, n'a pas été plébiscité par les deux équipes. On le rappelle au passage, bien sûr, on est toujours sur 6.13 Tech, donc c'est-à-dire pas de nouveau Ryze pour le moment. Ouais, effectivement, ça va être intéressant de voir. C'est vrai qu'on avait Vladimir et Ryze d'open dans cette phase de draft. On n'a pas forcément eu trop le temps de parler des bans. A noter d'ailleurs le ban de Ezreal contre Bang, peut-être son meilleur champion actuellement. Bang est juste monstrueux sur Ezreal. Il faut se méfier. Ouais, effectivement. C'est 7 victoires sur 8 games, un KDA 10 quasiment. Le champion, enfin le joueur sur le champion est on va dire inarrêtable. Et j'ai envie de te dire que la hache est quasiment pareille en fait. La hache de Bang, c'est sa 6ème prestation aujourd'hui que nous allons pouvoir contempler.
Sur les 5 précédentes, nous avions 4 victoires tac-tac, mais surtout un KDA de 12.3. Avec une hache, mes amis, ça reste quand même relativement très très efficace. En fait, là où il est très très fort, Beck, sur sa hache, c'est qu'il est capable d'être partout sur la carte. C'est-à-dire qu'il est, il est souvent laissé un petit peu seul pour essayer de farmer sur les lanes. Mais par contre, ses arrows sont tellement tout le temps tellement précises. En fait, il a énormément de kill participation sur les games qu'il a avec une hache. C'est d'ailleurs le joueur qui a le plus de kill participation de son équipe. Assez impressionnant pour un carry AD. Mais c'est aussi parce que il joue hache, il joue Ezreal, c'est-à-dire qu'il joue beaucoup d'AD carry qui peuvent avoir une présence globale sur la carte. Nous sommes partis dans la première game de ce BO3, Dragon Infernal, pour commencer cette game Tech. Alors là où moi je suis vraiment complètement fan aujourd'hui sur ce BO, c'est qu'on a SKT qui joue sur le type de draft dans la méta peut-être les plus durs à mettre en place, mais aussi les plus spectaculaires, puisqu'une fois de plus on part sur du pick-up avec une option late game tout de même intéressante avec le combo H-Rise bien sûr, hein, qui rapportera un scaling très fort. Mais dans tous les cas, SKT là, à partir de la fin de phase de lane, risque de vouloir vraiment enchaîner les phases de pick-up avec ses arrows, avec ses Alistar, avec ses cocons. Ça va être vraiment très très intéressant de les voir évoluer à ce niveau-là. Effectivement, ça va être très très sympa à regarder. Et les Samsung qui réagissent justement de la même, enfin de ce qu'on a essayé de mettre en place lors de la phase de draft, c'est-à-dire retirer un petit peu les ressources de la part de Crown et les rajouter sur QV ou sur cette duo lane. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Brace sur Tamken, je pense que ça peut être assez intéressant à voir. Brace qui est excessivement bon pour aller protéger les carries. Et là, avec cette composition full pick-up, le Tamken va vraiment servir à empêcher en fait les SKT T1 de mettre en place leur draft. Ça va être très intéressant. Du côté des SKT T1, on arrive quand même toujours à draft. Non seulement quelque chose qui est très fort en late game, mais qui a quand même des lanes ultra solides. C'est là où ils sont ultra bons en termes de draft. C'est là où Koma notamment fait un très très bon travail. Du coup, on a un petit peu l'invade de la part de Samsung sur la top side. Et le swap lane qui a été mis en place par Samsung. On va pas envie d'aller forcément aller agresser cette hache. Attention, Vrace. Oh là, carrément la fatigue. La contestation du Corbin. Le nam 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 Vrace qui fait perdre énormément de temps. Le smite tout de même de la part de Blank ici. Plutôt bien vu. Et d'ailleurs, ce pick Tamken, je t'en parlais rapidement. Je trouve que c'est une excellente réponse au pick H. Ouais. Jusqu'à présent, dans la méta, on voyait quand même beaucoup de brome. Puisque généralement, quand la H adverse, c'est une arrow, touche un carry, boum, le brome saute devant, met le wall et on empêche le follow-up. Et un Tamken, c'est une mécanique similaire. Sauf qu'en plus, tu permets à ton carry de te repositionner avec cette mécanique de dévoration. Et ça va être important aussi, le repositionnement. Puisqu'on a quand même 3 joueurs qui n'ont pas d'escape côté Samsung. Ouais, effectivement, c'est vrai que le time catch en fait il permet de. Voilà, tu laisses ton carry prendre la arrow, mais derrière tu peux le dévorer, il prendra pas de follow-up. Et le time catch lui non plus n'est pas en danger, alors qu'un brome, on a vu plusieurs bromes hein, essayer de prendre en fait les arrows pour sa team et du coup se faire un peu punir derrière. Bon, c'est vrai que ça peut être un petit peu dangereux. Non, je trouve que la draft des Samsung est vraiment très très intéressante. On va voir s'ils vont être capables d'aller un petit peu déranger ces SKT T1 qui, bon, on va pas se mentir quand même, ils sont plutôt tranquilles hein, dans leur game là. Ils partent sur une draft qu'ils apprécient énormément. Duke sur Ragnar, Faker sur Ryze, enfin ils sont tous sur des c'est leur cœur de champion à peu près. Bon, je pense que du côté de Blank, on aurait préféré le Gragas, mais bon, c'est pas dramatique. Pareil pour Bane, certainement le Ezreal, mais une fois de plus, on est soit sur du main pick, soit sur du second pick, donc dans tous les cas, SKT est dans une zone de confort ici. Et c'est vrai que la draft de Samsung est très intéressante aussi. Alors, elle est pour moi un petit peu moins sexy sur le papier, puisque c'est quand même très défensif et je suis complètement parti pris ici. Je préfère largement les drafts très agressifs, mais c'est une question de goût, bien sûr. On a quand même une rotation très intéressante côté Samsung avec un late assuré avec le Pixivir, un mid-game très puissant avec le Gangplank et la Karma, même un early d'ailleurs qui n'est pas si mauvais que ça, puisque la duo lane est relativement safe. Et derrière, on a un jungler qui apporte beaucoup de vision, beaucoup de contrôle avec le sens théorique avec la vision. Karma très safe au niveau de la mid lane, même un GP en position de swap, normalement ça ne craint pas grand chose. Effectivement, ce GP qui va tranquillement monter en puissance, on a pouvoir donner la ressource aux deux top laners et repartir tranquillement sur de la montée en puissance. C'est sur le qui prend un petit peu de poke de la part de Faker, mais bon, ça va. Il a quand même le temps de se shield. On le voit hein, pour un ride. Pour l'instant, c'est un petit peu délicat d'aller chercher la Karma qui a un peu plus de dégâts de base. Beaucoup plus de dégâts de base, même beaucoup je te dirais. Le mantra shield, enfin le mantra Q spell sur un rise comme ça avant le niveau 6, il,
il pardonne pas vraiment. Et pour l'instant, Faker qui tient très très bien pendant que Ruler vient d'aller caresser les jambons de Duke. Pas de soucis à ce niveau-là, le reswap qui s'exécute parfaitement pour le moment. On montrera tout de même un Samsung qui, avec ce reswap, est en position confortable pour récupérer peut-être ce premier dragon infernal. Effectivement, c'est un petit peu la faiblesse de cette petite comme T1 là, dans cette première game. Ils n'ont pas osé prendre le swap directement, ils sont restés en top side et du coup, comme tu le disais, ils vont pas forcément être en strong side lors de la contestation de ce dragon. On a justement Vraze qui commence à rentrer dans la jungle de CSGT1. Essayer de mettre un peu de vision, essayer de contrôler Blank au maximum pour l'empêcher d'aller contester ce Drake. Ça pourrait être un des objectifs majeurs de cette early game. On sait à quel point est-ce qu'il est fort le Drake Infernal. Gagner 8% d'AD et d'AP bonus comme ça un petit peu gratuitement, c'est toujours ça fait toujours plaisir. Et un petit détail au passage, là, je t'en regarde la minimap, ça ping énormément en fait des deux côtés. Et il y a une véritable logique notamment au niveau de la position des junglers en fait, hein. Les deux équipes qui ont pingé respectivement l'emplacement de Blank et d'Ambition sans la vision, du coup on essaie vraiment là pour l'instant, on est vraiment sur un tank qui est très mort en fait à l'écran puisque bon voilà, on tape du dragon, on tape des tours, on est en mode PVE, mais tactiquement les deux équipes sont en train de réfléchir, voilà le Drake qui est pris à partie pour le coup par Samsung, SKT qui semble avoir pris la décision de ne pas pouvoir le défendre, enfin de ne pas vouloir le défendre pardon. Alors la question c'est, est-ce qu'on va pouvoir compenser avec peut-être un héros de la faille ou est-ce qu'on laisse juste passer ça gratos? Ouais, je suis pas sûr qu'ils puissent aller chercher le héros de la faille maintenant, les Samsung, enfin les SKT pardon. Ça va être un peu compliqué quand même, le héros de la faille qui est très difficile à tuer tôt dans la partie, surtout qu'il n'a pas encore respawn. C'est 6 minutes là, donc ils ont 10 secondes de... Vous avez caché 6 ou 7 minutes d'ailleurs? Je crois que c'est 6. Je crois que c'est 6. Je sais pas pourquoi j'ai eu un doute. Tu mets le doute là pour le coup, ouais, mais attention, premier gang de la part de Blank là sur Crown. Non. Parce que Crown est très avancé quand même. On ça peut semble facilement follow-up hein, sur un rail, c'est très facile de poser des contrôles. Ouais, surtout en fait, il n'y a pas la vision sur Ambition et pour le coup, avec ce push de lane en faveur de Samsung, Blank n'a pas envie de tenter un 2v2 qui pourrait être défavorable. Et pour le coup, on va se contenter juste de prendre du jungle share avec notamment ce petit smite sur les loups là, qui va faire beaucoup de bien en termes de vision. Effectivement, Blank du coup qui va être vu ici par la position de Vraze aussi. Qui va aller chercher un peu, chasser cette Elise loin de sa jungle. Allez, un petit rappel pour Jump Out, Ruler hein, qui voulait fermer la porte derrière. Attention à Duke là, qui va se faire un peu poc ici. D'ailleurs, on notera un Duke qui part sur un abatteur, donc un Gnar qui a bien compris comment fonctionne le swap lane. Et qui a envie à vraiment d'appuyer sur le timing un item ennemi. Alors certainement un Gnar maillé gelé encore, hein, comme on a vu beaucoup dernièrement. Ouais. Vous voyez, je l'ai effectivement. Après, s'il arrive à dominer un petit peu dans ce match-up, il peut éventuellement partir sur une Black Cleaver aussi pour mettre vraiment beaucoup plus de pression, en tout cas une pression de kill potentiel sur ce GP. Ça pourrait aussi être une des solutions prises par la CT1. Et Vraze qui va un petit peu chercher Blank. Blank, il a un petit peu de mal à évoluer pour l'instant. Très bon contrôle apporté par ses Samsung, par Vraze et par Ambition dans cette jungle. Et pour l'instant, les SKT qui subissent un petit peu quand même la pression mise par les Samsung. En termes de gold, ils sont légèrement en retard alors qu'on a bien égalisé en termes de prise de tour. C'est assez rare quand même de voir des SKT1 derrière en termes de farming. Notamment, effectivement, on vient de voir l'observateur qui a mis le doigt sur quelque chose. 50 CS pour Bang, 70 pour Ruler. La civière qui est largement devant cette hache. Ça fait quand même un énorme différentiel à 20 CS de différence à 7 minutes de jeu sur une phase de swap. Entre les deux qui a regardé, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Je sais pas ce qui s'est passé hein, du côté de CSKT1. Est-ce qu'on a essayé de mettre le plus de ressources possible pour Duke? Il n'a pas forcément pris énormément d'avance sur son vis-à-vis. C'est assez étonnant quand même de la part de CSKT1. Ouais, c'est vraiment la gestion du reswap qui est pas dingue là. Parce que pour le coup, même si Duke a une avance en termes de farm, il est en retard en termes d'XP par rapport à QV. Et au niveau des deux qui a regardé, écoute, bah ouais, comme tu as dit, 10 CS d'écart. Donc bon. Après 10 CS c'est pas dramatique, surtout sur des deux carriades très utilitaires à ce moment de la partie. Mais pour le coup c'est vrai que c'est pas commun de voir SKT faire ce genre de petites erreurs. On va voir si on a d'autres qui vont suivre. Voilà, attention Faker qui prend un petit peu de poke peut-être. Ça va toucher, oh les bons dégâts quand même du karma à ce moment de la game. Ah, ça fait mal effectivement. Le mantra qui fait mal et les sapons qui partent à l'agression, 7-2 en bot lane. Il va falloir essayer de défendre quand même hein. Du coup c'est SKT1. Passer sa voix, Faker par l'agression. Le petit lien qui a été drop, la vaporisation du lien. Et on a une très belle phase de poke quand même de la part de ce Ryze. Faker qui ne se laisse pas un petit peu intimider par cette karma. Certes il est un petit peu en retard en termes de farming, puisque bah, c'est une karma, forcément ça push assez facilement en début de partie. Et la Faker qui va pouvoir même repositionner la wave là où il en a envie. C'est-à-dire en plein milieu de la lane. Relativement safe là.
On notera d'ailleurs au passage un faker qui décide d'évoluer Ghost Flash et non TP comme le font la plupart des Rise, pendant que Crown l'attente le lien vital, ça va toucher le montre à Q-spell. Oh l'outil du gangplank, faker en dur, flash in the blank pour sortir, essayer de sauver peut-être là la row qui va être ratée derrière Wolf qui s'était présenté, rouleur spell shield ici très bien timé. Ouais, effectivement, Bane qui a tenté d'aller à l'agression hein. Pour Crown, c'était un petit peu dangereux. Il va falloir se méfier du côté de Samsung, ne pas penser que les Street T1 sont les gens les plus passifs de la Terre. S'ils ne font rien, c'est qu'ils sont en train de préparer quelque chose qui va arriver. Et là, on l'a vu à la violette des Street T qui étaient en train de décaler. Bane qui se fait un petit peu attraper ici, ça force le flash out. Les Samsung qui réagissent très très bien, qui mettent énormément de pression sur les SKT qui semblent un petit peu perdus jusqu'à présent. C'est vrai que ils montent pas forcément autant de pression qu'ils sont capables de positionner d'habitude. Et Samsung qui arrive vraiment à forcer pas mal de choses sur les SKT. SKT qui semble un peu perdu là dans leur... Bah ils se font un peu balader effectivement. Après il faut garder à l'esprit que on est dans un temps très très fort pour la karma de Crown. Ouais. Et ça, bah, tu peux pas le négliger en fait. À partir du moment où tu as un avantage sur la mid lane en termes de 1v1, si tu joues dessus, bah, tu vas prendre l'avantage en termes de vision, tu vas prendre l'avantage en termes de rotation, etc. Et ça se ressent, eh bien, écoute, au niveau du farming, au niveau du map control une fois de plus. Et pour l'instant, SKT, pour moi, certes, ils sont un petit peu baladés, mais c'est pas dramatique au niveau de leur plan de jeu. La composition d'équipe prend vraiment du sens quand on évolue à 5 en fait sur des phases de catch. On n'y est pas encore. Il va falloir temporiser peut-être l'arrivée du premier item, voire premier item ennemi complété. Je pense lorsque le séculaire déjà de Faker commencera à se stacker, ça ira déjà un peu mieux. Ah, c'est vrai que pour l'instant on n'a aucun item complété, on est parti sur des builds assez late quand même hein, de chaque côté, sur toutes les lanes pardon, de ces SKT T1. On a dit l'abatteur sur le Gnar du coup qui va ralentir un petit peu sa montée en puissance tôt dans la partie, puisque plus tard il va capitaliser lorsqu'il aura son premier item et son abatteur complété. Du côté du Ryze, on le sait, Ryze ça vient monter en puissance, il faut stacker la tier, il faut attendre que le séculaire monte en puissance. La Elise simplement qui est le joueur pour l'instant qui peut vraiment faire la différence. On a l'école urinique qui a été terminée, du coup on commence quand même à avoir quelques dégâts. Et du côté du H, on le sait, Essence River c'est pas forcément suffisant pour mettre des dégâts. C'est vrai qu'on a un gros temps fort pour les Samsung. Du coup les SKT T1 qui ne sont pas pressés, il faut un petit peu le dos rond. Et il faut faire attention simplement dans ce genre de situation de ne pas trop se laisser submerger par les Samsung, qui vont pouvoir sécuriser leur deuxième Drake. Ça commence à faire beaucoup quand même de Drake. On est en avance, on va quand même peut-être pouvoir prendre des fights en Miguel notamment, qui vont être assez puissants, notamment avec le combo de Karma plus Sivir. On peut aller chercher vraiment beaucoup d'agression. Le fameux Karma Sivir qui fonctionne très bien ici. Bon, oula, attention, le 4, ça va passer sur quoi. Attention, la cage derrière, les bons dégâts. Ici, Faker qui sécurise son premier kill et qui ouvre le compteur des kills d'ailleurs pour SKT T1. Alors pour revenir sur ce que tu disais Tech, le premier dragon infernal il fait mal à SKT, après dragon des nuages, c'est complètement négligeable ici j'ai envie de te dire. Et sachant qu'on a un abatteur sur la top lane, on a un abatteur au haut de le carrigadé, donc même si on a un écart au gold, enfin on a quand même un avantage au gold actuellement, pour Samsung un avantage objectif, SKT lorsque les kills vont proquer va récupérer cet avantage en termes de gold, donc pour le coup le plan de jeu pour moi est complètement bien appliqué ici. Ça se passe très bien, les SKT One ils le savent, ils ont besoin d'être un petit peu patients. Le seul risque pour eux c'est vraiment d'être peut-être trop patients et de se laisser un petit peu submerger par les Samsung. Et pour l'instant les Samsung qui essayent de prendre deux vitesses les SKT One, malheureusement à chaque fois il y a une bonne agression de la part de cette duo lane. Bane qui certes a raté sa première arme, mais qui n'aura pas la deuxième sur Wolf. L'optimisation pour temporisation ambition, c'est bien fait, on n'est pas encore niveau 6 pour... Attention, ça se pack à 5 au top, là l'ulti gangplank, l'ulti d'Ambience qui pourrait suivre, non il est que niveau 5 pour l'instant, my bad. Ça force. Attention, Blaine dans la difficulté également, Vraise qui cherche à mettre un petit coup de papier ici, le bon cocon, le sondeur qui va connecter, ambition, il y a un flash sur cette Rek'Sai, le très bon pile de Wolf encore ici. Ouais, je pense que peut-être une des choses les plus difficiles à faire, c'est chase la Lightstar de Wolf. Il est tellement bon sur cette simulation, à chaque fois c'est vraiment max range. Et si juste empêcher cette Rek'Sai de faire le move, puisqu'il qu'il a absolument pas pu s'approcher. Très bon travail aussi de la part de Blank, on a vu le cocon directement on se retransforme en araignée pour pas perdre trop de temps de déplacement. Et ça a pu locker Vraise notamment, qui a pu mettre un coup de langue et peut-être sonner la fin de ce joueur SKT T1. SKT voilà, qui part à l'agression et qui arrive à s'en sortir derrière. Samsung n'arrive pas forcément à faire la différence malgré ce dragon des nuages, j'ai envie de dire, qui aurait pu leur permettre de courir un peu plus vite. C'est là aussi qu'on voit clairement la draft de Samsung à ce moment de la partie, elle est quand même super forte pour pick-up également. Ouais. Tu parlais du combo Mantra Shield en chasse pour la move speed. Là, Vraise vient de passer niveau 6, donc avec la traversée des abysses, c'est pareil, une capacité de flanking qui est très forte. Il faut garder également à l'esprit qu'il y a un outil du gangplank. Donc ce qui veut dire que Samsung peut arriver à setup de très très loin et très vite des teamfights. Là où côté SKT, une fois de plus, il y a des arguments en termes de contrôle avec cet arrow, avec ce flash cache pour Faker, le cocon bien sûr. Mais ça reste quand même plus difficile à mettre en place et dans tous les cas,
ça part de moins loin. Effectivement, ça peut aller, enfin ça peut partir de très très loin, mais il va falloir que le follow-up en tout cas soit assez proche. Ah, l'arrow ici, quoi, ça va toucher à nouveau. Il va la prendre ici, Faker qui va coller la cage, des bons dégâts, le flash cocon, la deuxième cage, ça va passer pour Blank ici. Ouais, à chaque fois, on en parlait, hein, les arrows de Blank qui font la différence. Le sniper de cette position, des Faker qui va aller au dive là, le Unburrow, l'arrivée de Wolf combo sur Bryce, Ambition qui va se faire dévorer par son coéquipier. Ah, la frame perfect, j'ai envie de te dire tactique ici. Ouais, un peu compliqué quand même de la part des SKT1. On essaie d'aller très très vite chercher une Rek'Sai qui reste quand même relativement tanky hein, pour l'instant. Ambition, voilà, sous tour, il a mis un bon contrôle sur Faker qui s'est fait un petit peu peur. Il a pris l'exhaust, heureusement pour lui qu'il avait la capacité de courir assez vite grâce à l'ultimate notamment. Parce que sans ça, c'était quand même un petit peu délicat. Je pense qu'il joue à saut du marateur non, sur son Ryze. Ouais. Je pense, voilà, parce que c'est vrai qu'il est parti quand même très rapidement malgré l'exhaust. Il a réussi à se disengage. Parce que sans ça, il était mort. Hein. Il prenait un contre-tour de plus, c'était fini. On va le revoir, l'agression. C'est Aro qui parle tellement loin pour Bang. Kill incoming. C'est gratuit, ça fait plaisir. Ah, ça touche le. Voilà, Karma qui aurait peut-être dû faire un régime ici. Lightbox un poil trop grosse. Ouais. Et pour le coup, ça aboutit sur un deuxième kill. C'est la deuxième fois d'ailleurs. Sur la première Aro, Crown avait vraiment failli l'éviter. Une fois de plus, ça joue à peu de choses et pour l'instant, ça fait les affaires des Skelty avec déjà un petit millier de gold d'avance. Et surtout, là, on arrive sur les premiers items complétés. Crawler prend une bonne phase. Oh, Faker qui va jusqu'au bout. Là, directement sur Ruler. Ruler qui va tomber sous le coup de Faker et de Bane. Décidément, les Skelty 1 qui. Voilà, ils ont passé le début de partie tranquillement, on n'est pas pressé. Et là, ils commencent à aller agresser Samsung. Samsung qui pense être meilleur. C'est vrai que leur position est meilleure à ce moment de la partie. À chaque fois, là, le petit pas de trop, le moment où il est à civière. Oh là, attention, Ambition qui prend le bon dégât ici. La rotation de contrôle encore. Il faut disengage à cause du TP de Crown, mais ça va. Les Faker qui a envie de repoke ici. Oh là, les dégâts. Wall qui vient tomber. Ça, c'était le grid de trop. Attention, Brace, le coup de langue peut-être ici. Faker. La cage, Faker qui prend encore de bons dégâts mais qui va pouvoir avec le Storm Raider reculer. Il est revenu. À ne pas sous-estimer les gars de Karma. Il est revenu sur timing Morello avec sa Karma. Ça fait tellement mal, on a vu les dégâts, le burst spécial sur Wolf. Sur Faker qui pourrait se faire attraper ici par la Karma. Voilà, ça le sidestep là qui se quand même pour Faker, beaucoup de dégâts pressionnés, il manque un Q-spell peut-être. Ah, ça court, ça passera pas, c'est bon. Plus de peur que de mal. Et là en fait pour le coup on parlait d'efficacité pour SKT. Si tu regardes bien, les premières agressions SKT ont été timées au moment où les deux abatteurs ont été terminés. Ouais, sur le timing, un item et demi. Donc là, on est parfaitement dans ce qui était prévu côté SKT1. Et on notera d'ailleurs au passage Blank qui décide de partir proto-belt en deuxième item. Donc vraiment très 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 agressive cette Elise. Pour le coup, le raid d'estimation reste relativement classique côté SKT. Effectivement, le maillage, comme tu disais sur Golgnar. Bon, ça, on a plutôt envie d'aller chercher le kiting en fait, essayer de prendre, forcer des duels, essayer de mettre le plus de contrôle possible. Pas forcément avoir beaucoup de dégâts ou aider énormément sa team à DPS en fight, mais aller chercher ce chase hein, sur le GP de QV. Ouais, QV est pas si mal quand même, parce qu'on a 17 minutes de jeu, il a déjà fait cette facilité. Il a quand même relativement bien farm, donc il doit avoir quelques améliorations sur son ultimate déjà. Avec les. Les Silver Coin, j'allais dire les Silver d'argent, comme dit Noah. Chienne. Ah oui, non, c'était Noah, pardon. C'est Noah, ouais, qui aime bien dire les Silver d'argent. Mais du coup, effectivement, du côté de QV, on est plutôt bien. La deck d'enclic qui vient de pop, donc on commence à avoir un petit peu de pénétration physique aussi. Quasiment pas d'armure en plus sur Duke, à part les bottes, les Tabi Ninja. Du coup, attention quand même, ça peut aller très très vite cette top lane. Je pense que les deux joueurs peuvent prendre l'avantage. Simplement, la prise de fight va être capitale. Sur l'engagement en termes de speed push. Attention là, ici le catch pour SKT. Wolf, Laro, en chasse. Et c'est là qu'on voit la réaction de Ruler. Hein. C'est pas spell shield, c'est en chasse avec le doigt qui tressaute sur le flash. Effectivement, bah là, on a vu l'arrivée de Wolf aussi, hein, juste à la côté. Oh, l'ambition. Ambition qui prend beaucoup de dégâts. Le bon contrôle de la part de Wolf. Est-ce qu'on peut continuer éventuellement les ignites le flash, l'auto. Ambition qui s'en sort à 35 points de vie là. On a évité le pire, par contre, il y a un Dragon des Montagnes de disponible pour SKT. Ouais, je cherche effectivement. Et Dragon des Montagnes, c'est peut-être le dragon préféré de ces SK Telecom T1. On va essayer de chercher vraiment la prise d'agression tôt dans la partie, notamment sur les objectifs. Et le dragon qui va tomber. Bonne agression à nouveau de la part de SK T1. Cette fois-ci, on ne prendra pas de kill sur Ambition. Et à nouveau, on force en fait les Samsung à jouer ultra défensivement, à reculer sur la carte. Ça permet à SK T1 de faire la différence. Et qui farm tranquillement sous tour. Et Faker qui va aller récupérer son blue buff tranquillement aussi.
pas de soucis, on est revenu à 2 cagoles d'avance, c'est ce qu'a fait les Comme T1. On est plutôt bien, plutôt en confiance, on arrive dans le temps fort en fait de CSKT T1. Pas le temps le plus puissant, mais on arrive dans un premier pic de puissance intéressant effectivement. On va falloir attendre peut-être le Seraphin de Faker pour commencer vraiment à parler de Power Spike. Et là pour le coup la protobelt est terminée pour Blank qui va avoir une capacité à poser des dégâts et à chase en fait sur les carrés des Samsung. Très puissante. D'ailleurs également au passage un Duke qui part sur un Phage en deuxième item, donc vraiment le Darshan Build, un Gnar à optique offensive. On n'a pas une vraie frontline en termes de porteur d'armure de récent côté SKT. Par contre des dégâts en IA, on en veut-tu en voilà. Effectivement le Black Cleaver. Sur la fin du Black Cleaver, on a la protobelt qui a été terminée sur la Lise. Le Seraphin qui devrait pas être trop loin pour, enfin ou en tout cas aussi le Seraphin pour le Ryze. Et cette hache voilà, qui va terminer son Zell et du coup qui va bénéficier dernièrement déjà de CDR en fait grâce à l'essence River. Ça va commencer à être bien mis en avant pour cette T1. Il va falloir se méfier. Après les Samsung comme je le disais sont pas forcément en reste. On a toujours le combo Sivir Karma, énormément de dégâts à donner tôt dans la partie. Sivir qui est parti aussi sur l'essence River. Ça va peut-être avoir un spike un peu plus tardif que la hache malheureusement. Après du côté de Yubi on est bien, le deck d'Antley, bientôt la Yumu, on va être excessivement bien positionné. Du côté de Ambition, le Tiamat qui était complété, on commence à être tanky et à mettre quelques dégâts, ça va aider énormément Ambition à clear la jungle, empêcher Blame de faire la différence dans simplement le jungle share en fait, tout simplement la prise de ressources dans la jungle, c'est Samsung. Exactement. Un bon temps fort et bientôt le Rabat, donc on peut être aussi sur Crown. Ça va se jouer à pas grand chose, hein. Vraiment le spike des deux équipes qui va être assez. Enfin, un des spikes en tout cas des deux équipes qui va être assez serré en termes de timing. Je dirais vraiment, ouais, les deux profils de Power Spike sont quand même super proches. Puisque là, à 21 minutes de jeu, on a un Ryze qui est fort, on a une Elise qui est forte, un Gnar aussi. Côté Samsung, on a un GP qui est très puissant avec un Yumi en deuxième item, la Rek'Sai également. Et Crown surtout en fait qui a choisi de partir Morello Rabadon sur sa Karma et non Granimpi Rabadon comme on peut le voir régulièrement. Donc là on est vraiment sur une Karma qui va frapper très très fort, qui va appliquer de l'hémorragie, qui va être utile, bref, qui va être efficace. Oh là là, Wolf Ambition qui se retrouve sous tour, il a voulu deny un petit peu le back de Veng, ça ne suffira pas. Baker ici, le spell sheet qui va pas suffire, la cage sur rouleur, la dévoration également au passage. Et c'est aussi pour ce genre d'action hein, qu'on dit que Wolf est l'un des meilleurs Alistars au monde, si ce n'est le meilleur aujourd'hui. La prise de décision, le moment où... Hein, tu veux empêcher mon Agaré de revenir? Bah attends, déjà je me mets devant, comme ça le sondeur ne le touche pas. Après, hop, petite atomisation et direct le headbutt flashé qui permet de ramener sous tour la pauvre Ambition qui s'est vue un petit peu trop belle avec sa Rek'Sai. Ça pardonne pas, hein, surtout sur un Rek'Sai qui tank pas tant que ça en fait à ce moment de la game, parce que oui on a du point de vie, oui on a de la résistance magique, mais contre une tour qui apporte énormément de dégâts physiques, t'as pas beaucoup d'arguments. Et ça d'ailleurs ça pourrait être un problème hein, ce manque d'armure côté Samsung, puisque en sous-marin j'ai envie de te dire Bang monte en puissance petit à petit avec sa hache là qui d'ailleurs va se prendre un bon baril au passage. Attention le Q-spell également. Oula Bang. Bang il a pris un petit peu de pression là quand même, on sent du côté de Samsung. On n'est pas là pour rigoler non plus. On n'est pas là pour enfiler des perles. Et la hache de Bang qui va finalement pouvoir faire son back. C'est qu'il a pris quand même beaucoup de pression sous la force en fait de Pog de ces Samsung. On l'a vu, le baril into Q-spell de Mantra, sous Mantra de la Karma, ça fait vraiment mal. Il va falloir se méfier parce que rapidement ça peut one shot un carry SKT. Il va falloir vraiment faire très très attention du côté des SKT T1. Ils ont l'agression, ils ont la force d'engage à très longue distance, ils ont du follow-up. D'ailleurs les Samsung ont cette capacité de choisir quand prendre les fights. Ils ont cette capacité aussi de Pog. Très beau style de la part de Rouleur là, le boomerang. Effectivement, alors ça peut sembler un détail, mais c'est super important puisqu'on voit qu'Esketi est en train de setup la vision autour du Nashor. On le rappelle, Esketi porte un dragon des montagnes. Et là, clairement, l'idée c'était de partir en mode on va contester le Nashor, on va les bait, on va essayer de teamfight. Et avec cette prise du Karabatar, Samsung s'assoit la vision en fait autour du pit. Ce qui fait que pour le coup, toute la phase de jeu Esketi est annulée ici. C'est vrai que Esketi, ouais, on va pas forcément pouvoir faire la différence sur le Nashor tout de suite. Il va falloir attendre peut-être que Duke. Mettre de la pression en fait sur la botlane de CS Samsung. On a vu Crown qui va récupérer le farm, il va être forcé à back éventuellement. Non, il va rester, il va prendre une vague de plus. On voit les mouvements sur la carte pour l'instant. Faker qui repart ensuite push sur cette top lane pour récupérer le plus de farm possible aussi pour un Ryze. On sait à quel point c'est fort Ryze. Faker qui pourrait partir sur un Guardian Angel directement sur le Oh là le cocon, non, ça va aller. Pas de follow-up ici. C'est vrai que le Guardian Angel en troisième item pour le Ryze, il fait toujours plaisir avec le Seraphin et le Séculaire full stack.
Il va être tellement dur à tuer Faker dans les fights. Il va mettre tellement de dégâts, ça va être très très délicat, notamment pour Ruler, de les mettre les dégâts. On sait à quel point est-ce qu'une Sivir subit son petit manque de range face à un Ryze. Bah oui, puis là on arrive à un moment de la partie où le burst de Karma s'essouffle. Alors oui, un GB ça a quand même beaucoup de dégâts de zone avec ses barils, mais si on regarde bien côté Samsung, la manière de DPS elle est comment? On a du dégâts de zone avec le GP, on a du dégâts de zone sur le temps avec Sivir, mais on n'a rien pour vraiment aller finish en fait les joueurs. Ça va flasher tous les côtés côté Skitty One, oui ça va prendre des dégâts, mais en soi, il y a peu de chances que ça meure tout de même. Et pour le coup par contre SKT a une énorme capacité à la fois de DPS et de follow-up avec ce Gnar Maiesley Black Cleaver par exemple. Ça, ça va être vraiment un gros souci. Et d'ailleurs, SKT se sent véritablement en confiance ici avec ce Cold Drake au passage. Ouais, le Drake, ce Cold Drake récupéré par SKT1. On va égaliser le score en termes de potentiel stack pour le dragon des dragons ancestrales. Qui pourrait être un objectif majeur dans la partie. Parce que là, on sent SKT1 à moins de réussir à mettre une grosse phase d'agression dans les prochaines 5 minutes. Il risque d'attendre peut-être l'arrivée de ce dragon ancestral. Ambition qui continue. Essayer de zoner Wolf loin de. Loin du Nashor, essayer de maintenir la pression du côté de Samsung, on manque quand même pas mal de vision dans la partie haute de la carte. On a vraiment un Warding très très défensif en retrait dans sa propre jungle. Absolument pas de vision dans la rivière. Le Carapater en plus qui vient de fade. Et qui va être récupéré au passage par Crown là, Faker au niveau du top, pas de soucis à ce niveau là. On farm, on cherche l'ange gardien bien sûr hein, sur ce troisième slot. En parlant de troisième item, Blaine qui vient de terminer un rang du 1 qui du coup sera beaucoup moins sensible bien sûr. Oh dégâts de cette civière qui on notera un rouleur IE deuxième item, pas là pour poser du parquet. Effectivement la civière qui va commencer à tapoter légèrement. Il va manquer un petit peu l'attaque speed malheureusement le carry AD de Samsung. Après il aussi il a pas besoin forcément de taper beaucoup, il a besoin que ses attaques tape fort parce qu'il va se retrouver face à un Faker et il va falloir le tuer rapidement. Ouais et puis bah on en parlait l'autre fois, alors je crois que c'était avec Chips. Au niveau de cette itemisation de civière, faut savoir que le personnage a un stéroïde de vitesse d'attaque avec le passif du Z en fait hein, sur l'ulti. Enfin je sais plus exactement c'est le passif de l'ulti qui proc sur le Z. Voilà, ça c'est le passif de l'ulti qui proc sur les ricochets. Et donc pour le coup en fait Sivir n'est pas si dépendante que ça d'un item d'attaque speed. Et c'est vrai quand tu as l'IE avec la B avec l'essence reversement de la game, t'as quand même deux items de BF, donc un pool AD très puissant. Ouais. Et un taux de critique très intéressant également derrière avec le stéroïde de l'IE à portée. Ça fait très mal. Le flash out de Crawl qui a quand même rattrapé par Faker. On va essayer de mettre un route, ça ne suffira pas. Faker qui va pouvoir s'enfuir tranquillement. Le kill est récupéré par Blank. Blank cette fois-ci qui ne touchera pas avec sa arrow. Mais les Skitty One qui continuent de mettre des grosses phases d'agression à cette tour qui pourrait tomber. Ouais, il fait mal Faker là derrière son bâtiment. Hein. Avec son double unité à stack là, la T2 qui prend très très cher. Le call Nashor pour les Skitty, voilà. C'était la phase de jeu précédente qui était prévue. On a un dragon des montagnes, on le rappelle. Ça va relativement vite. 5000 HP déjà sur l'objectif. Tamkench et cette civière qui vont arriver très tard. Malheureusement, il n'y a pas de smite pour Samsung. Effectivement, pour l'instant, Blake qui va pouvoir récupérer ce Nashor. Attention par contre. Le slow est appliqué. L'arrivée de Duke, le flash out avec la dévoration de la part de Vrace. Il va s'en sortir, c'est bon. Heureusement que Vrace était là avec son Tamkench pour essayer de sauver un petit peu la mise de CS4 et les Copy One. On a vu Wolf Talisman de l'Ascension avec son Alistar. Pas du tout de Targon d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas forcément précisé. Mais ça permet d'aller agresser, de compenser un petit peu la prise de move speed de Samsung avec le duo Sivir Karma. Talisman d'Ascension, l'item a été up sur 6.13. Et c'est vrai que c'est assez rare de voir l'Alistar l'utiliser. Souvent on préfère la phase de la montagne. Mais c'est vrai que là, dans l'optique de la composition de SKT1, je trouve l'item particulièrement pertinent pour Wolf. Ouais, c'est vrai qu'on le voit très très peu cet item et là pour le coup ça a du sens dans cette phase de pick-up. Sachant qu'on arrive encore sur un pic de puissance extrêmement abusif pour SKT avec ce double ange gardien de terminé. Là au côté Samsung, bien écoute, il y a des items très intéressants aussi mais ces 4000 gold de retard leur font vraiment du mal sur le plan économique. Et là pour le coup avec un GP qui a terminé son core build de pénétration, il va pouvoir mettre des bons dégâts mais on arrive sur un pic de faiblesse là par contre pour Clown qui n'a pas encore son bâton du vide. Une fois de plus, je pose la question, est-ce que Samsung aura la capacité de tuer sur SKT? C'est très compliqué, à moins que QB fasse un excellent travail. On voit que les dégâts notamment sur Duke sont très très bons, alors que c'est le tank de cette composition SKT. On voit ici qui se fait bien poke quand même, on voit les dégâts de Crown sur le support restent loin d'être négligeables. Il a pas encore terminé son exil de la région, puisqu'il a terminé son talisman de l'ascension rapidement, ce Alistar de Wolf. Attention par contre, vous pourriez peut-être chercher un dive assez agressif sous cette tour, c'est compliqué. On a deux gazons de gardien, on peut vraiment se permettre. Le siège là. Très très loin l'agression. Et Faker toujours au niveau de la mid lane qui met la pression sur la T2.
et SKT qui fait un travail d'érosion sur deux lanes en même temps. On voit un T2000 déjà qui a perdu un tir HP au niveau de la bot lane. Ça a plus de mal à passer, mais voilà, avec ce Nashor, ça a forcé carrément l'ulti de QV ici. Ouais, ça va leur manquer cette ultimate de GP. Attention, les Samsung, il n'a pas utilisé trop de ressources, trop de cooldown dans cette phase de siège. Les SKT qui sont juste en train de bait en fait les ressources des Samsung. Et Faker qui continue avec son buff Nashor de mettre beaucoup de dégâts. Oh, traverser les abysses ici, ça. Faker. Il y a un ghost encore, Faker qui met des dégâts très intéressants. La fatigue. Le Storm Rider qui approche ici, Faker qui continue son travail de pressing et derrière c'est QV qui va tomber sur Duke. Duke qui pourrait continuer éventuellement. On a encore l'ange gardien, le Megagnar qui va commencer ce stack. Et pendant ce temps, Blink Bang tranquillement en train de faire monter la pression sur Ruler. Donc dégâts pressionnés, ça force le heal sur Ruler qui a Bang s'est peut-être un peu chauffé ici, non ça va aller, le flash in tout de suite, le heal également qui était claqué. Il va falloir se raviser et repasser sur la T3 côté SKT, mais voilà le mal est fait, on pose un pied déjà dans la base adverse et maintenant Tech c'est 8000 gold qui sépare les deux teams. C'est tellement impressionnant les moves de ces SKT1 à chaque fois. On arrive à choisir les moments d'agression pile quand il faut. Un petit cache Faker qui surprend je pense. Qui crown sur ses dégâts. Le voyage abyssal de Brace, il arrive tout seul, il n'arrive pas à faire la différence. Derrière forcément un Faker qui arrive à mettre beaucoup de dégâts. Les phases de Nashor des SKT1 sont particulièrement efficaces parfois. Il faire la différence, il était avec les enchants encore là. Pour moi. Ouais, Faker qui fait vraiment un travail énorme. C'est là aussi que tu as la force du Rise de Storm Rider Flash Ghost. C'est inchoppable en fait. Ça sustain trop, ça court trop vite. Les os, on a vu, hein, il court tellement vite, on peut pas l'arrêter. Okay. Ouais, le cocon au passage. Oui, oh là 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 là. Protobated Bro, et derrière le smash de la part de Wolf qui sécurisera un deuxième kill ici. Bon, je pense que pour Samsung, il faut déjà réfléchir à la game 2 ici. Ah, c'est compliqué, effectivement. Là, on a perdu. Enfin, on a deux inhibiteurs en tout cas à annuler. SKT1 qui vont pouvoir repartir à l'agression. On pourrait aller chercher cet inhibiteur. Pas de défense possible avec deux joueurs en moins pour les Samsung. C'est deux joueurs majeurs parce que c'est les deux qui arrivent de cette composition. Et QV qui n'a pas réussi à faire la différence malgré. Bah, il a fait une bonne phase de late. QV, il a réussi à amasser des ressources. Mais derrière, ou par contre, le bon poc. Le Pokémon sur Blank là. Le bon poc. Il y a un deuxième inhibiteur à prendre. SKT qui met peut-être un petit peu la charrouille avant les bœufs là. 31 minutes de jeu, 2 lignes de récupérer. On est tout pas long timing pour SKT. On a parlé les dégâts de QV qui commencent à faire la différence. Est-ce qu'on pourra mettre éventuellement Duke de hit and run. Le flash out ici. Ah, il faut garder l'ange gardien, c'est important. Oh, le joli coup de langue de Brace qui prendra par contre un cocon derrière, le TP dans le dos. Et SKT qui va pouvoir sustain en frappant sur ce TAM. Attention à Crown qui pourrait trouver un bon Q-spell ici sur la front lane. Ambition qui se fait stopper, le méga Dark qui va tomber quand même. Et les dégâts de Crawl, qui va se faire bien contrôler. Le flash à travers le cocon, Blank qui pourrait tomber parce qu'on a la protobête éventuellement, le rendu qui a été utilisé. Oh là, le juke, le marine, ça va toucher sur Wolf là. SKT qui grid complètement ambition, qui va tomber du coup de Faker. Le Seraphin, le sustain, Crawl en difficulté, Faker, l'ange gardien qui va prendre ici. Il y a un flash, ça va être claqué ici, il reste un ghost encore. Sinon, le dragon infernal, non, c'est bon, on va pas s'enfuir. Faker qui joue vraiment à la limite. Toujours sur le fil et ça passe pour le midliner. Le CSKT est plutôt tranquille là et ça permet de. Je suis tellement sur le fil qu'il va sauter le Drake derrière. Bah écoute, c'est un fil. Bah, il élargit en fait Faker. Bah, en fait, Faker joue sur le fil de League of Legends, mais ce fil est très très loin de lui mettre à bout au niveau des limites. Et là on le voit encore parce que le gars il sort un fight de ouf, il conserve le ghost. Il est en mode complètement serein en fait sur ce qui vient de se passer alors qu'il est en mode 1v4. Qui se fait full bang bang, non, pas de soucis, on est en contrôle, flash out après le Drake, on utilise le carapateur pour faire proc le passif, on sustain, ah bah j'ai des points de vie, je vais y retourner du coup, et SKT en fait qui frappe encore un grand coup ici. Ouais, ils ont utilisé au maximum en fait le point fort avec double orge gardien du coup sur un teamfight qui peut vraiment scopit énormément, mais qui met pas mal de dégâts. Ah, ce Q-spell est très très beau de la part de Crown, ouais. Et j'ai cru au move de Duke ici, mais bon, trop de dégâts. Joli coco au passage. Hein. Travail, mais là le jeu qui est très très bon de la part de Blake, on temporise énormément. Et Wolf qui se retourne instantanément, mais des dégâts sur ambition pour aider son mid laner. Premier kill derrière, c'est Clown qui est target acquired. Clown qui joue un poil de réussite là et le petit flash. Hop, le flash de la sérénité. Il n'y a pas de vision, un carapateur, pas de souci à ce niveau là. Et derrière Ambition qui se fait choper, là attention, le cocon peut-être, Laro, le combo c'est bien fait. La Ambition qui va tomber. Oh, l'arrivée de Duke sur rouleur, heureusement pour lui, il y avait Wraith. Pour le protéger, Bang qui continue à faire avancer les vagues de creep. Toujours la tête froide, Bang. Hein. C'est battez-vous dans la jungle si vous voulez. Moi, je fais le but du jeu, c'est-à-dire détruire la base adverse.
Il avance tranquillement. Attention par contre Blake qui prend quelques dégâts. Ouais, qui prend quelques tartes ici. Faker au niveau du mid, Faker qui charge là, 1v4 sans pression également. Attention le cooldown qui va être sidestep. Crown qui prend énormément de DPS, la dévoration. Wolf qui cherche un long pour un combo, ce qui va rentrer, mais voilà, ça reste un time gain, j'ai la fatigue derrière son Faker. L'Iron sur le rythme concédé. Avec un qui prend beaucoup de dégâts. Attention sur la charge de la part de Wolf et Faker qui va tomber sous les coups de QV. Attention, les Skatiwa n'a peut-être pas trop s'enflammer. C'est-à-dire qu'on a récupéré un 3ème inhibiteur, mais on peut perdre quand même pas mal de temps à essayer de, oh là, oh là, oh là, de faire des moves un peu dangereux. Wolf, ça va être compliqué ici d'arriver à s'en sortir. Wolf qui cherche un. Oh là là, il se retourne! Oh là la présence d'Esprit de Wolf avec le Thunderlord. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu me pièces? Mais moi je suis une vache, mec. J'ai moi, un Thunderlord, moi. J'ai un Ignite, un Spell Shield, que nenni. Alors Wolf il donne tellement une leçon de support aujourd'hui. Ouais, donc si vous me posez la question, oui, un support, peux-tu aller à carry un peu trop en proponant? Nope. Il y avait 300 HP. Et ce qui est super malin, c'est qu'en fait il joue avec la vision. Ouais. Puisque si jamais la Severe Spell Shield de l'un des deux sorts entre le headbutt et l'atomisation, il peut pas la tuer. Il peut pas la tuer parce que derrière, en fait, Ruler a son flash, Ruler a son heal. Bon, il y a dans son fantôme, il va pouvoir se repositionner. Il y a un Warlord, il pourra sustain. Et ici, donc il arrive vraiment. Ah, je te vois. Je ne te vois plus, tu disparais. Très très bien vu ici. Du coup, pour le coup, SKT, c'est 10 kagols d'avance, 3 imitateurs de récupérer avec un hacheur d'actif. C'est game over ici, Tech. Effectivement, il devrait pouvoir aller à la fin, quoique QV met quand même de bonnes phases de poke. Il va falloir se méfier du côté de SKT1, c'est vraiment la grosse win condition pour cette position Samsung. C'est le GP qui commence à tapoter assez sévèrement, même si voilà, on voit qui apporte quand même 3 méga sbires dans la vague. Qui va toucher sur Brace, c'est un peu compliqué quand même. Brace, il est ultra tanky, pas de dégâts positionnés encore. Le rappel utilisé par Blake, mais qui va pouvoir les engage grâce à un petit coup de protobelt. Ouais, c'est pas trop mal vu, là on envoie les méga CS dans les jambes des SKT côté Brace, mais ça suffit pas. Ça avance, l'imiteur qui va repop, l'ulti gangpoint qui a déjà été concédé d'ailleurs. Et ça, ça va être un souci pour tenir le siège. On voit encore les salves hein, de Bang qui continuent de pleuvoir sur Samsung. L'imiteur robot qui devrait pas tarder à repop et Faker qui met la pression sur Ambition. Ambition, petite phase d'agression, c'est pas mal. On retire 40% des points de vie de cette Rek'Sai. Blank par contre il prend énormément de poke, il fait un très très bon le travail. Belle là le rappel, oula oula, Blank qui s'est fait une petite frayeur ici. Et Samsung qui défend pas mal hein. Ouais, ils ont toujours trouvé des bons dégâts positionnés sur les joueurs. SKT T1, ça se passe plutôt bien. Petite réussite quand même pour Blank qui ne perd pas son Guardian Angel. Cette phase d'agression, on va être sur le timing où les GA font de nouveaux pop. Tout simplement, Faker, il y a un bug je pense sur le cooldown du GA de Faker. Il devrait être up là normalement. Qu'est-ce qu'il a perdu GA? Je crois qu'il a perdu. Mais là il l'a perdu tu sais sur le move avec le Drake tout à l'heure. Ouais mais il le perd en même temps que le Gnar en fait à quelques minutes près. Enfin à quelques secondes près. Bah pour le coup il devrait revenir à quelques secondes près. Bah il est là. Il est là voilà. Il y avait voilà c'est un jeu. L'affichage du cooldown était un petit peu bugué. Mais voilà 3 Guardian Angel dans les SKT T1. Je pense qu'avec le Nashor là on peut se permettre d'aller un petit peu chercher loin sous les tours de ces Samsung. Oui, sachant que les inhibiteurs viennent juste d'être récupérés, donc il n'y aura pas besoin de reprendre le temps des downs derrière. Et juste avancer en fait, avancer, mettre de la pression. On voit le slow push qui est mis en place au niveau du top par Duke, qui va carrément chercher la vague de sbire. On se pack à 4 au niveau de la mid lane. On avait déjà vu que les tours T4 des Samsung avaient pris quand même pas mal de dégâts. Là, pour le coup, il va falloir sortir un barreau d'honneur très pertinent pour Samsung. Il va falloir mettre des bidons pour QV qui rate un petit peu son combo ici. Oh la roche sur QV, le combo le, le combo de Wolf, Ambition qui risque de tomber sous les coups. Non, Ambition reste en vie quand même pour l'instant. Il arrive à sustain au maximum. Bank qui peut mettre quelques dégâts, ils sont bien zonés quand même par l'ultimate de QV. Faker la cage là, Faker qui contourne le Nexus, Faker qui ferme la porte à lui tout seul là. La puissance des arcanes s'est déchaînée. Blank qui a pris quand même de bons dégâts. Ambition qui se fait là avec de très bons montages de la part de Crown. Le Nexus midlife, le Nexus qui continue de descendre. Les Megasphere qui font du bien, mais SKT a du mal à passer. Oh oui, le rebond de la part de Ruler. Il fait le doublé, mais derrière le Nexus qui va tomber. Victoire de ces SKT. Plutôt confiant dans leur partie. On sent que vraiment, il laisse un petit peu de marge de manœuvre au Samsung sur le début de partie. Tu sais, c'est comme quand tu as ton petit chien en laisse, qu'il les laisse, tu sais, qui reviennent automatiquement. Oui, ça. Tu la laisses partir un peu, tu fais. Et à un moment, t'appuies sur le bouton, tu fais non. Non, là, tu t'arrêtes, tu reviens. Ça suffit maintenant. Ça reste beaucoup les SKT T1. Elles sont quand même ultra impressionnantes. Dans leur maîtrise du jeu, ils ont une
connaissance des timings et de la prise de faille, de juste les choix tactiques faits par les SKT T1 sont tout le temps ultra pertinents. Ils sont ultra pertinents, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord, la game est parfaitement menée, le plan de jeu était relativement simple, on passe la phase de lane. D'ailleurs, j'irais même jusqu'à dire que SKT a vraiment fait un gros focus sur cette early game avec le double avatar, ouais. En se disant voilà, l'early, il y a une Karma en face, c'est trop fort, on a un Ryze, on pourra pas tenir le coup. On full turtle, on concède tout, mais par contre, il va falloir qu'on puisse se snowball derrière, il nous faudra des golds. On prend de la batteur une fois de plus, on temporise le deuxième item pour le Ryze, et derrière, on tente des pick-up avec des très bonnes arrows de Blank qui a permis vraiment de mettre le feu aux poudres en matière de snowball. Puis derrière, bah, c'est tout l'apanage du jeu technique des SKT, des dragons, des phases de rotation très fortes, du pick-up, un teamfight efficace, un Faker qui tient énormément de joueurs à lui tout seul. Et on a vu la conclusion en fait de ça. Hein. C'est des Samsung qui sont complètement dépassés, passé les 20 minutes de jeu. Et j'ai peur pour la game de TechTech. Effectivement, les Samsung, qui, on l'a vu quand même, ils ont réussi. Enfin, ils ont bien joué les Samsung. Quand même. Ils ont pu mettre en place leur jeu. Mais malheureusement, il y avait trop de pression mise par les SKT T1. En termes de dégâts sur les champions, on vient de les voir. Les dégâts de QB notamment sont juste insane. Il y avait plus de dégâts. En fait, les deux sources de dégâts principaux de ces Samsung ont fait plus de dégâts que les meilleures sources de dégâts de SKT T1. C'est ça. Ça n'a pas suffi malheureusement. C'est vrai que les SKT T1 toujours à la limite. On va revoir les arrows. Ah, c'est vraiment la hitbox du bout. Hein. Elle est un peu permissive. Voilà. C'est le genre de move qui tu te dis, putain les gars, merde quand même là. Et si, c'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et derrière, bon, Faker qui link. Bon, en plus, c'est un Ryze, tu vois, c'est cage. Et c'est du lock ciblé vers cet arrow qui est magnifique. Bang qui, pour moi, mérite sa. Ah, j'hésite entre Bang et Wolf au niveau du MVP. Ah, Wolf, il y a quand même un énorme travail. On a eu tous les joueurs qui ont plutôt bien joué. Faker aussi, hein, qui est quand même à l'origine d'énormément d'actions de son équipe. Il a donné énormément d'air aussi à ses équipiers. Et Wolf, à nouveau, le combo, ça permet à Duke. Faire la différence ici, le one shot, on l'a vu de Blank. Proto Bented. Effectivement. Et le petit move de Faker à la bien ici qui récupère une petite sur ambition. Et derrière fera passer un mauvais moment à Crown. Encore du pick-up ici, encore Wolf. Wolf qui fait le tour, qui empêche complètement la Rek'Sai de faire la différence. Ils ont pas repassé le move de Wolf. C'est vrai, c'est dommage. C'est parti pris au niveau des GN, je dénonce. Ça va pas du tout. Je on dénonce. Les supports ont leur place également. Et on n'a pas vu non plus le double ricochet à la fin qui prend le doublé sur Dower. Sur le pauvre Bane qui a eu un petit peu de mal quand même à les passer dans la teamfight. À chaque fois, il prenait tellement d'AOE. En fait, il y a tellement de dégâts en AOE, notamment à cause du GP. Il était de loin, il mettait des salves comme ça. Il était à 200 HP en disant s'il vous plaît, me tapez pas, je veux juste taper sur le Nexus un petit peu. Et ça s'est pas très bien passé pour lui. Il est mort à la fin sur un dernier petit ricochet. C'est triste quand même de mourir sur un ricochet. Bon, ah, gros, surtout sur des petits ricochets, effectivement. Ouais. Tu fais la pitié à coups de petits cailloux comme ça. Bref, c'était très intéressant. Pour la peine, on va enchaîner sur une petite page de publicité avant d'attaquer la deuxième game du BO3. Samsung au pied du mur contre les SKT très chaud aujourd'hui. A tout de suite. Et nous sommes de retour après la superbe victoire des SKT sur cette game 1 pendant qu'on voit les meilleures actions de cette game. Oh, avec un joli petit Larsen au passage, merci Alex Kish. Les meilleures actions de Wolf. Ah oui, alors ça c'est l'action de la game. Blink. Oh, les dégâts qu'il met là-dessus. Il était content. La virilité d'un support, messieurs dames. Oui. Oui, tu peux être au service de ton équipe et avoir un swag à toute épreuve et une dose de testostérone à faire pâlir de jalousie Chuck Norris. Ouais, les supports carry. Hein. Un type de support qui a été, on se rappelle à l'époque,
instillé par Gozu Paper. Oui, les Empire. Ils ont instauré beaucoup de choses quand même. C'est énorme. Je pense que c'est peut-être l'équipe qui a le plus apporté au League of Legends actuel. Toute la saison 2, c'est eux qui ont réinventé le jeu. Et ensuite, derrière, les coréens ont récupéré leur travail et ont peaufiné un petit peu les choses. Ah, mais vous avez des bonnes idées. Par contre, au niveau de l'application, on peut faire beaucoup mieux. Regardez ce que je fais maintenant, moi, avec mon équipe. Et SKT, voilà, qui se balade. Vraiment, c'est une balade de santé hein, pour eux, cette Corée. Enfin, ce Summer Split. C'est vraiment une maîtrise du jeu qui est incroyable, c'est SKT T1. Maintenant qu'on va rentrer dans cette phase de draft sur la game 2, SKT T1 qui avait quand même bien dominé la game précédente. L'early game, ils l'ont laissé un petit peu tranquille. Ils ont laissé les Samsung tenter d'avoir de l'espoir. Et derrière, forcément, ça fait mal. First, de la part de SKT T1, ce sera pour le... Victor de Crown, effectivement, bah, c'est son champion de cœur. C'est 11 picks sur ce summer avec un win rate tout à fait sympa de 72%, un cadenas de 4. Donc pour le coup, pas de match control, pas le match control en tout cas pour Crown. Pas de Nidal non plus pour Ambition. La réponse côté Samsung, c'est un énorme focus sur Bang. On a vu à quel point Bang a été déterminant dans la game précédente avec sa hache notamment. Ouais, il est tellement fort sur les arrows à chaque fois. Il a pas forcément pu mettre énormément de dégâts dans la teamfight parce que bah il y avait en fait tout simplement il y avait Faker hein, qui faisait le travail avec son Ryze. Mais là clairement il a une grosse pression là. GR qui va être bad pour les SKT T1. On n'a pas envie de la laisser en red side pour les Samsung. Réponse Samsung du coup. Le last ban, est-ce qu'on bannerait pas un Ryze ou un Vladimir éventuellement? Ça avait été laissé complètement ouvert dans la game précédente. Azir aussi est ouvert. Il va falloir se méfier du côté de Samsung. On a quand même beaucoup de choses à citer. Je pense qu'un ban en mid lane serait quand même assez favorable. Alors moi je dirais surtout le TF de Crown est top. On est en red side. Samsung a pris une énorme déculotté sur la game 1. C'est vrai qu'on pourrait mettre du rythme un petit peu. Ça, en fait, là, il y a deux solutions globalement en termes de plan de jeu pour Samsung. La première, c'est on part sur un plan de jeu très safe, et j'ai l'impression qu'on part un peu sur ça. C'est-à-dire des grosses front lanes, des lanes tranquilles, un scaling ok. Et l'option numéro 2, c'est ok les gars, bon, on sait qu'au niveau de la macro, on va perdre. On va jouer au talent. On va jouer sur le décalage. Et c'est vrai que ce pick TF serait particulièrement bien senti ici. Bah, une fois de plus, de par la position en red side hein, dont bénéficie Samsung. Ouais, c'est toujours ouvert hein, avec une red side, c'est loin d'être un TF, ça permet d'avoir beaucoup de décalage de zone. Et avec un Lee Star, tu t'assures d'avoir du contrôle sur la duel lane lorsque tu décales. Donc, c'est quand même plutôt pas mal éventuellement à mettre en place. Notez là quand même les Samsung full ball à des carry. Alors la civière, je pense que c'est un peu plus méta, c'est moins pour contre Bane que contre l'apport d'une civière en composition. Par contre, le Jin et le Ezreal sont clairement contre Bang. Bang qui fait vraiment peur hein, dans cette composition SKT. Ouais, vraiment, effectivement. Et le Tam qui est montré ici pour SKT, je pense qu'on anticipe vraiment la hache des Samsung. Ouais, t'es ban la hache. Autant pour moi. Ils peuvent pas le faire. La pire analyse du monde. Et s'il se passait ça, ben non, c'est pas possible. Exact. Dommage, mais bien attendez. My bad. Duke qui hésite pas mal quand même. Hein. Alors le Tamken qui du coup en pré-shot de je ne sais pas trop quoi. Avec le GP, on est quand même sur une compo mid-game assez puissante ici. Ouais, moi, on a de l'engage, on a surtout du disengage et surtout la traversée des abysses tech-tech. Je trouve que c'est ultra fort Tamken. Les 4 rosters hein, qui l'ont montré hier justement avec des décalages, ils étaient partout. On avait une Jolene qui passait son temps en top lane à essayer de dive le pauvre top laner adverse parce que bah. Il y avait juste un Tamken qui mettait tout en voyage abyssal. Hop, bonjour, on est là. Et on va pouvoir te détruire. Oh, la Tristana pour Samsung. Okay, Tristana, right. Alors, du coup, là, on va jouer la macro pour Samsung. On va jouer vraiment ultra sur le late. Late. Il va falloir avoir un top laner qui fait quand même la différence hein, sur le mid game. Parce que là, en termes de gestion lane, ça va être très très difficile à faire pour les Samsung. Ah, là, honnêtement, c'est super ambitieux. Hein. Ce serait vachement bien pour les SKT. Ce serait. Petit Kalista, parce que le Talista Catch. Ouais. Ouais, en fait, il faut un carry AD qui snowball. En fait, il faut un mid laner qui snowball, un carry AD qui snowball. Donc le Varus, c'est pas mal. Oh, le Twitch. Ah ouais. Oh, le Twitch Tamkench du beau jeu. C'est tellement bien vu. Alors, avec le laser pour Faker, il est gratuit. Ah, je suis déçu. Oh, enfin, c'est beau jeu aussi. Ah, c'est beau jeu aussi, mais je préférais vraiment le Twitch ici. Tout j'étais vraiment stylé. C'est vrai qu'un Tamkench, ça protège tellement un Twitch. Tu peux te permettre de pop une adversaire, de mettre quelques dégâts, de te faire dévorer, reculer un petit peu et te repositionner. Pourquoi ils prennent Miss Fortune là? Quel est l'intérêt d'une Miss Fortune dans cette draft? Même si, oui, c'est un pick qu'on voit jamais, oui, c'est stylé, ça met des gros ultis, mais pourquoi? Parce qu'en face, qu'est-ce qu'on a? Bon, un Alistar,
c'est pas spécialement sensible à l'ulti non plus à cause de la volonté de fer. Une Rek'Sai, oui, mais pas particulièrement. Un Ryze, avec la move speed, on a vu, dont le champion pouvait bénéficier, il peut sortir du déluge de balles rapidement. Une Tristana, c'est un rocket jump. Une Leblanc, c'est un jump out. Il n'y a pas de hard CC côté SKT. Hein. C'est pas avec un flux explosif que tu peux setup un barrage de plomb efficace. Ouais, effectivement, ça va être un peu compliqué. On a la bonne synergie en tout cas entre l'appui de balle et enfin le barrage de plomb plutôt, et l'appui de canon de ce GP. C'est vrai qu'on a quand même deux grosses AOE qui peuvent se superposer et faire beaucoup de dégâts. On sait qu'on a quand même pas grand chose pour fixer en fait les joueurs adverses dans cette zone là. La partition impériale peut-être. La partition impériale, effectivement, il va falloir que Faker soit particulièrement précis du coup dans ses moves. On peut s'attendre à ce qu'il le fasse, Faker. Ça pourrait être un choix. Après, sur le laning pur et dur, je pense qu'une MF ça détruit complètement une Tristana. C'est vrai que la phase de lane des SKT est très forte. D'ailleurs, l'ensemble des phases de lane, je dirais, puisque le matchup top est positif avec un GP qui spike plutôt qu'un Ryze. Un Azir Leblanc, bon. Je dirais qu'en général, le Blanc peut quand même générer un Azir, mais peut-être pas le Azir de Faker non plus. Il faut garder bien sûr le profil des joueurs en ligne de compte pour analyser le match-up. Et au niveau du bot, voilà, on l'a dit, le MF Tahmkent qui devrait prendre le meilleur. Je suis vraiment curieux de voir comment cette Miss Fortune va être utilisée. Puisque là, clairement, oui, l'ulti peut être game-breaker, mais ça me semble très très dur à mettre en place. Ce serait pas étonnant que Koma ait prévu autre chose pour l'utilité de l'MF. Je pense peut-être jouer sur le passif, jouer sur la domination de lane. Bref, c'est beaucoup d'interrogations qui sont mises en place ici vis-à-vis de ce pic. On sait que la grosse force de MF, quand même, c'est d'être très efficace, très tôt la partie. C'est un champion qui fait énormément de dégâts avec simplement un petit item. Et voilà, se méfier, c'est une grosse dominante de lane aussi. Donc, je pense que du côté des scriptions, on va pas forcément aller chercher le swap éventuellement. On va voir ce que ça va pouvoir donner. Ce sera juste après la petite introduction pour cette seconde game entre SKT et Samsung. On va pouvoir partir dans cette seconde game à nouveau. Dragon Infernal en première apparition. Attention, Bank qui nous a un petit peu capturé ici. Directement l'agression de la part de Ruler sur Bank. Quelques dégâts positionnés. Ça va faire mal, ça va faire beaucoup de dégâts à Dekari. Est-ce qu'on pourrait pas les dive éventuellement? Non, il va back rapidement Bank. Heureusement pour lui, il sera là à temps pour réagir. Et du coup, du côté des Samsung, on va être obligé de... même pas. Attention, Clan qui recule, la distorsion. Et QV par contre là qui est un petit peu dans la tourmente, ça va aller. On va pouvoir trouver la sécurité auprès de cette T1. Alors au niveau des starters, rien de bien folichon, double saphir cristal ici. Pendant qu'on voit le public qui a l'air d'être bien gaisou, pendant que voilà, Blank concentré avec sa Miss Fortune. Point Keystone. Ah alors important, Ward and Bloodlust pour la MF de Bang. Sachant que la plupart du temps, lorsque le champion était joué, c'était quand même Thunderlord pour la plus de balles. Ouais, après, c'est un très bon scaling sur le stacking d'auto-attaque. Du coup, ça peut avoir du sens aussi de partir sur du bonus sur les auto-attaques en fait. C'est un plus de loss, pardon. Complètement ailleurs les dégâts sur les crits, du coup, c'est vrai que la build crit. Bah, crit, ouais, ça sustain pas mal, hein. Ah non, ça a changé, oh là là, je suis perdu. Ah, c'est la chaleur, désolé. De quoi tu parles? Non, le Warlord, c'est plus du crit, maintenant c'est de la régène. Oui, c'est juste du. Oui, c'est de la régène. Avant c'était de la régène sur du crit, maintenant c'est de la régène tout court. C'est de la régène et en plus des fois les points de vie perdus. Désolé, hein, c'est la chaleur, excusez-moi, je suis un petit peu perdu. Faker qui prend une bonne agression de la part de Crown ici. Et du coup, effectivement, on va avoir une MF qui pourrait peut-être jouer sur un peu à l'image d'une Kalista sur énormément de régène du coup, plus tard dans la partie. Bon, effectivement, un petit peu. Ouais, un petit peu de sustain, le Targon qui va proc, attention les auto-attaques, ici le passif qui s'applique sur Vrace et le 2v2 qui fait parler sa domination côté SKT, attention la mid lane, Clown qui répond bien à Faker. Mais bon, on prend le passif quand même sur la Leblanc, ça peut permettre éventuellement d'aller chercher une bonne agression. Duke, le flash, le bureau. Duke en difficulté, il n'y a pas d'agrume encore au niveau 2 et ce sera un First Blood pour Samsung ici. Ouais, Samsung qui va récupérer le First Blood sur Ambition, cette Rek'Sai qui va bien être positionné du coup dans cette partie. Essayer d'aller chercher éventuellement Blank. Blank qui va réagir forcément, on sait que la Rek'Sai est au top side. On va aller invade la bot lane, enfin la bot jungle plutôt.
L'arrivée de Duke sur cette top lane, finalement il perd pas trop d'XP, il reste à égalité en termes de farming. Donc un gang qui n'a pas mis beaucoup de retard dans ce par contre. Les dégâts peut-être sur Crown, non c'est bon, elle est pour s'enfuir. On savait qu'il n'y avait plus de passif sur la Leblanc, ça aurait pu faire la différence si le coup de bidon de Blink avait moyen d'aller toucher avec un flash, il pouvait aller très très vite. Honnêtement ce dashback forcé là il est impactant puisque pour le coup Crown doit back tout de suite. Ou en tout cas va être vraiment gêné au niveau de sa phase de laning. Au niveau du mana en fait, hein, puisque pour le coup un Azir ça wave clear avec un mana cost beaucoup plus faible, beaucoup plus effectif qu'une Leblanc. Faker qui va pouvoir récupérer cette vague de farm là où en fait Ambition a été mobilisé au niveau de la mid lane. Pour le coup Blank peut continuer son travail de farmer ou Faker qui voulait contester le back, ça ne passera pas ici. Dommage parce que du coup il perd 2-3 grips sur cette contestation. C'est pas forcément très rentable là pour Faker, il voulait juste faire perdre du temps à Crown. C'est vrai que s'il avait réussi à construire ce back, ça aurait été une lane complètement gratuite pour le millénaire de CSKT. Faire la différence. Alors les runes, tchac, beaucoup d'AD. Hein. Ouais, surtout l'AD, pas trop de pénétration au final. Beaucoup d'AD. J'ai plus l'habitude de voir des MF avec énormément de pénétration. Avec le fameux Shrek build en fait, hein. Tu pars sur... Bah tu peux faire le Yumu Black River, ça voilà, marche aussi. Yumu Black River, exactement. Et là je pense qu'on va plutôt être sur une MF critique. Ouais, avec l'Essence River à mon avis. J'irais même peut-être comme la Sivir précédemment, Essence River IE. Moi effectivement, ça pourrait être un très bon choix fait par Bang, ça va être intéressant. Oh, pardon, oula, on a perdu le son, le clean feed qui est là. Oula, le ralenti sur le flux essentiel. Regarde-moi ça là. Qui va récupérer le Lastis. Crown, la bonne auto-attaque. Ah, c'est pas mal. J'aime bien ce qui se passe sous nos yeux. Petit problème de clean feed, vous inquiétez pas. Ça va être vite réglé. Ouais, c'est trop bien de voir les phases de ligne comme ça au ralenti. Tu sais, le moment où tu récupères, tu vois le moment où il commence l'animation d'auto-attaque pour récupérer son creep de manière à vraiment. Ça s'adapte, tu vois, un petit peu à la constante sous cette chaleur qu'on a ici à Paris. Le voilà. Tout est très mou. Faut pas tout est très collant. Faut pas se presser. Ou oula, Faker. T'es ambition. Lui, il a envie d'être pressé. Faker qui a poil, engage tranquillement. Pas de chaîne positionnée par Crown, il l'a pas tenté. Et du coup, Ambition qui n'ira pas plus loin. Faker qui joue très très safe. Et Bang qui aussi son petit travail de pression sur la duo lane de ces Samsung. Pour l'instant, pas davantage pris en termes de farming, mais en termes de position de sur la lane, par contre, ils sont vraiment devant. Blank qui va arriver, il va être vu par la petite oua positionnée dans le buff de ce blue buff. Allez, Blank là, on va spotter le petit fût au passage pour prendre l'information dans le tribush et le coup de bidon sur ce Gromp au niveau du bot side. Écoute, ça a l'air de bien se dérouler pour les deux là. Pas d'écart de farming, sur le trade au niveau de la mid lane, il faut pas prendre la chaîne. Il tente pas trop Crown au final ces chaînes. On sent qu'il a vraiment envie de garder ce... Oh, attention par contre, Blank qui prend quelques dégâts de la part de Brace ici. Le combo qui est pas trop mal positionné mais Ruler a fait le stun. La fatigue, l'ignite, le nam nam. La pluie de balle, attention derrière Ruler qui va rentrer. Le flash out, le jump in, Ruler qui prend le kill ici. On va se retourner, Brace qui a pris de lourds dégâts également. Le flash out, la pointe de l'immortel qui va connecter Wolf of Chase. Wolf peut-être, le Q-spell qui va toucher sur Ruler, ça force le flash out. Il fait un bon travail quand même Wolf pour essayer de compenser un petit peu la perte subie par son AD carry. Moi c'est peut-être... Oh là ça passe ici, le smash, le fut dans le mauvais sens. Le explosif, l'auto-attaque. La chaîne, le coup de bidon. Diu qui va prendre le kill, par contre Diu qui va être puni instantanément par Kiwi. Comment tu regardes ailleurs? Eh bien tiens, décède ce Ryze qui va être bien positionné quand même dans sa partie. Attention pour l'instant, l'esprit C1 qui subisse pas mal la pression. On a un petit peu la même image que l'early game précédent avec des Samsung qui dominent en début de partie, qui va être beaucoup de pression à des T1. Pour l'instant on se laisse venir, mais là pour l'instant, enfin, on a une game qui va s'orienter un petit peu différemment. Pour la mid lane c'est pareil, Faker va quand même monter en puissance, donc c'est pas très grave pour lui de subir un peu de pression en début de partie. Pour Duke ça va être un peu plus délicat, c'est un Ryze en face qui va très bien scale. JP c'est plus aussi fort en fin de partie. On voit cette action là. Il y a eu un 6ème sens là-dessus, il a quand même poursuivi le très bon fût hein. Et là ouais c'est vrai que pour le coup Duke c'est le genre d'erreur à ne pas faire ça. Le petit manque de vision. Ouais, il a peut-être dû reculer un petit peu avant. Et donc là on est sur un Ryze 1-0 hein. Donc il va falloir commencer à le respecter. Peut-être une intervention de Blank au niveau de ce topside, même si ça va arriver bien tard parce qu'on a quand même déjà 13 scripts d'avance. Et bah en fait surtout Duke qui va être forcé de passer par la case soit bot de Mercure soit X-Drinker, donc la Triforce va être ralentie. Effectivement, ce GP qui risque de subir un petit peu la pression de ce Ryze pour les Scarlet T1, le plan de jeu va être un peu plus difficile à tenir.
surtout face à l'agression qu'on a subie en bot lane. On a vu hein, le kill récupéré en 2v2 pur. Par ces Samsung, là, c'est un très bon travail notamment de rouleur sur sa Tristana. Il a été plutôt efficace là le flash in. Non même pas. Comment est-ce qu'il récupère d'ailleurs son rocket jump? La bombe. Ah mais oui, il fait péter la bombe niveau 6. Les 5 stacks. Niveau 5. 5 stacks de la bebon et derrière double jump. Double jump. C'est vrai que les mécaniques du personnage sont bien respectées là, par rouleur. Qui a pu aller chercher Bake, c'est vrai qu'il y a une MF, c'est un petit peu délicat. Quand ça l'agression c'est très fort, mais quand ça subit de l'agression par contre, ouais. Ça a tellement peu d'escape, c'est un petit peu délicat. Et puis surtout le choix des Skatey, hein, pour qu'on va avoir un dive au top, le choix des Skatey qui s'est vraiment focus sur Grace dans un premier temps. Et puis il y a du switch sur rouleur, là où côté Samsung sur la duo lane, on a vraiment tout mis dans la tête de Bang, et comme tu disais sur une mission team qui n'a pas d'escape, ça ne pardonne pas. Je pense que c'était une erreur de la part de Wolves de mettre la dévoration sur le high star très tôt dans le trade. C'est possible, ouais. Au lieu de la garder pour protéger son AD carry. Et pour le coup, on a les dégâts. Oh oui, plus de 6 mètres, beaucoup de dégâts positionnés. Rouleur qui est obligé de rocket jump out. Ça va aller. Hein. Et on est sur un MF Armor Pen là, pour le coup. Ah ok, la partie pas une MF physique. Donc très mid game en fait. On a un mid game vraiment très puissant pour SKT. Par contre, attention, puisque si on regarde bien au niveau du compteur des gold, bien c'est Samsung qui a le lead. Et je dirais qu'en fait, Samsung a la domination sur 2 lanes sur 3. Comme l'atteste le KDA de ce Ryze, et en fait même cette Tristana qui, même si elle vient de subir sur la phase de jeu qu'on vient de constater, elle reste quand même très bien avec sa BF, avec le double dagger derrière. C'est une Tristana qui n'est pas ralentie, et on le rappelle bien sûr, une Tristana prend le pas en termes de scaling sur la Miss Fortune, surtout en Arpène. Effectivement, Miss Fortune qui va être très fort sur le mid game, et d'ailleurs qui va être bien moins efficace en termes d'échange d'auto-attaque pure et dure lors des teamfights. Qui va back en regardant la télé. Il intéressait pas a priori, du coup il reste sur la live. On me dit dans l'oreillette qu'il y a eu un petit sniping des anges de la télé-réalité de Nabila sur cette action. Plutôt bien vu de la part de Bang. Une fois de plus, c'est un mec qui est skitty et toujours au rendez-vous, peu importe le domaine. Le sniper vraiment de cette composition SKT, attention par contre. Toujours la pression bus par rouleur, enfin sur rouleur pardon. Wolf là, allez on va mettre des petits coups de l'échouille sur cette véchette. Derrière le coup de langue qui va passer encore. Et bon, la Dioline Esquiti qui semble au contrôle du 2v2, mais voilà, une fois de plus, hein, Rouleur il peut récupérer son ce tour. Rouleur il avance dans son itemisation. Faudra pas spécialement le respecter tant qu'il n'aura pas le timing double item, mais à partir du moment où t'arrives avec un Runan, t'arrives avec une lame d'infinie, Tristana c'est pas la même chose. Ouais, effectivement, là, Tristana qui va très vite monter en puissance. Simplement ce qu'il a besoin, Rouleur, c'est de l'expérience. En fait, il a envie de garder simplement sa range avec sa Tristana. Ah, c'est par contre. Ici, le going de QV, le teammate, l'arrivée de Blank. Le fus, qu'on peut linker un ult là. Non, attention, Ambition qui va arriver derrière. Ouais, je pense que là, clairement, sur le 2v2, ils ont bien fait de ne pas le prendre, les 3T1, parce qu'ils sont un petit peu derrière la tuque qui n'a pas encore suffisamment de dégâts. Simplement une brillance contre la grosse baguette, enfin la baguette explosive de ce Ryze, ce qui n'est pas forcément suffisant. Et Ambition, il est plutôt bien aussi. Il a un Tiamat avec sa Rek'Sai. Il commence à tapoter. La petite ward là qui donne pas l'info si c'est bon. Ça y est, Link qui est vu ici. La mid lane toujours sous contrôle Samsung avec cette petite ping sur le flanc haut, bien sûr. Pendant ce temps, la Faker qui continue son bonhomme de farming. Là, un mix abyssal dans Nashor. Bon, certainement en fait Négatron puis dans Nashor, hein, comme on le voit classiquement ouais. Sur les Azir actuellement. C'est simplement avoir un Négatron pour essayer de diminuer la capacité de kill de Crown. La mid lane avec une blanc qui a Ignite, il va falloir se méfier quand même hein, du côté de Faker. On a pris l'exhaust, mais il va falloir être très réactif pour essayer d'empêcher le burst. Oh là, le dash, le distorsion, la chaîne, l'arrivée de Blake en opposition. C'est bien Juka par Crown, on a bien vu le nombril arriver. Et on va dash back directement sur son image rémanente. Il va pouvoir repartir peut-être à l'agression, aider de Ambition. Non, il n'ira pas plus loin. C'est compliqué, face à une partie impériale. Il peut toujours se faire attraper, il va falloir se méfier quand même. Pour les Samsung, c'est la mid lane. Faker qui est quand même plutôt bien. Et QV qui fait un très bon travail de deny sur Duke. Les barils qui n'arrivent pas à exploser. Duke qui est obligé de farmer un petit peu en espoir de cause sur cette mid lane. Sur top lane, pardon. De l'agression de la part de Bang. On met beaucoup de pocs quand même. 50% de points de vie récupérés sur les deux joueurs de cette duo lane. Samsung. La pression de la MF commence à se faire sentir. 20 petits CS d'avance. À 12 minutes de jeu, quasiment 13 minutes de jeu même. C'est plutôt sympathique, je dirais. Plutôt bien vu. Malgré le kill récupéré en 2v2. Oh là, attention, Blank, la bataille pour le Gromp ici. Il n'y a pas de smite pour le jungler SKT. Le fût là. Voilà, il prend le 1v1 sur cette Rek'Sai, mais il n'y a pas assez de DPS malheureusement.
Ouais, il a faire bank ici, c'est le de bait. Ah, mais il y a le bleu, c'est pour ça. Le fût derrière, encore le smash. Plutôt bien vu, il faut absolument conserver voilà, la vision sur ce blue buff pour Faker. Ouais, effectivement, c'est un peu dommage d'avoir utilisé le plus explosif pour amener la Rek'Sai. J'ai pas bien compris quel était le but de son move, la blink. Je pense qu'il a un peu hésité en fait. Ouais. Et d'ailleurs, on notera Faker qui a préféré terminer l'abyssal avant la dent de Nashor. Effectivement, c'est pas commun quand même hein, sur un Azir. Surtout qu'il est pas, il a pas fait ses bots de berserker aussi rapide comme il a l'habitude de faire. Attention, parce qu'en rouleur, il prend quelques dégâts quand même de la part de cette MF. Avec la pénétration physique, ça fait mal. Auto-attaque, QQ spell, ça va très très vite. Ça permet de stacker le passif du Z hein, de cette MF. Beaucoup de dégâts à faire valoir. C'est intéressant quand même de voir une MF comme ça prise par les SKT1 dans une composition qui est même pas full AOE. Ouais, bah on va voir. Je suis super content d'en voir une aujourd'hui, qu'on soit d'accord, mais pour le coup j'ai vraiment du mal à voir pourquoi. On va attendre de voir les premiers teamfights hein, puisque c'est là bien sûr que Miss Fortune prend tout son sens. Et pour le coup elle sort déjà une bonne phase de lane avec une avance de 20 creeps qui compense un petit peu le kill en solo de la part de Rouleur. En soi on avance tranquillou dans les power spikes, on va attendre bien sûr hein, les premiers items complétés. Je pense qu'il faut cette Triforce pour Duke hein, pour pouvoir commencer à agresser côté SKT. Ouais, libération pour Wall pour essayer de disengage, il y a quand même 4 joueurs. Ça va être chaud, ça va être chaud, on se retourne, TQV, Rouleur le flash sur le side là pour esquiver le déluge de plomb, la traversée des abysses de Wolf qui va pouvoir trouver la sécurité. Et ces 4 joueurs mobilisés pour sa zone pour seulement un kill Tech. Ouais, je me demande s'ils auraient pas pu prendre directement à traverser des abysses. Instantanément une fois que le Alistar en fait avait utilisé tout son tous ses cooldowns, après il y avait quand même le coup d'ultimate de la part de cette Tristana qui aurait pu peut-être cancel le bon Wolf. Attention, attention SKT là, on n'est pas content, le full, l'ulti tout de suite de la part de Rouleur et la prise de Carapater Smite de la part d'Ambition. Drake défendu pour SKT avec succès puisque derrière en fait la Miss Fortune de Bang a plus le temps de repop. Et on va arriver sur un avantage là en fait en termes de timing pour SKT. Attention Ambition qui prend encore des bons dégâts. L'arrivée de Faker ici derrière, les SKT One qui cherchent un très bon timing parce qu'on le sait, les Samsung sont un petit peu obligés de back suite à cette agression et ça va pouvoir sécuriser facilement ce blue buff Wall qui voilà qui va zoner un petit peu le bon Ambition. On récupère un blue buff, ce sera pour Blank, il a eu peur du smite, c'est-à-dire pas de smite quand même pour ce dragon infernal. Ambition qui pourrait pas être qui pourrait se positionner pas trop loin, alors qu'il a pas de smite non plus, c'est bon, ça va sécuriser pour les SKT One. C'est bien fou, vu ici. Cette capacité de rebondir, on prend une agression, c'est nous qui perdons un joueur et derrière on récupère un bluff et un dragon. C'est dingue, SKT c'est la cost efficience à l'état brut en fait. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent faire ça? Parce que oui il y a le catch sur Bang, mais en fait ça force des outils pour Samsung, ça force du mana. Donc pour le coup, au moment du call dragon, Samsung n'est pas à 100% de son potentiel. Là où SKT avec Miss Fortune qui revient, donc full HP, full mana avec son stuff qui vient d'être acheté, derrière en plus un stuff non négligeable puisque la Yumu était terminée, donc un power spike intéressant. Et justement la Yumu on ici, beaucoup d'écapoïsé sur Rouleur, la coup de blanc qui ne passera pas malheureusement. Rouleur qui va un petit peu temporiser sur Bang. Ça force la montée de fer pour Ray, ça force le flash out quand même pour le Alistar de Samsung. Flash-in de Wolf, l'arrivée de Blank avec le coup de bidon flashé et les 5KT ne laissent pas ce support s'enfuir. Voilà, Faker, la T1 qui en fait des frais ici là. Ça reste du 1 kill plus une tour pour SKT et la T1 au mid qui va être défendue même si pas mal de points de vue ont été concédés. SKT One ne laisse absolument rien passer vraiment du coup c'est les Samsung. Le début de partie, c'est bon le lining, on vous laisse un petit peu respirer mais après ouais c'est pas grave. Oh l'attention Faker, quelques dégâts, le dashing là sur le shield. Plutôt bien vu et Clank qui doit se raviser au niveau de la top lane par contre QV hein, qui continue son bonhomme de farm. Plus 30 maintenant face à Duke qui à 17 minutes de jeu n'a toujours pas de trinité. Il a dû passer par les Drinker comme tu le disais, ça allait le ralentir. Et les Mercure. Et Mercure effectivement. Ça fait quand même 2600 gold, hein. J'utilisais même un peu plus parce que le Mercure ça commence à faire quelque argent. Donc effectivement pour Duke on a pris quand même pas mal de retard en termes de rush sur la Trinité. Et il y a un timing silver comme ça, on l'a entendu au son du bruitage. Du coup Duke qui va pouvoir améliorer l'ulti. Alors sur quoi est-ce qu'on part? Est-ce qu'on part sur le burst au milieu de la zone? Est-ce qu'on part sur le stéroïde de vitesse de déplacement? Est-ce qu'on part sur l'ulti prolongé? Autant de questions à laquelle je n'ai pas les réponses pour un temps de tech, ça me travaille l'esprit.
C'est vrai qu'en général on aime bien voir le burst au milieu de zone tout dans trop de temps à la partie pour est-ce que ça permet d'avoir une grosse présence quand même sur le. Ah, en follow-up sur un contrôle sur les appuis. Voilà, en follow-up sur le reste de la carte en fait. Mais là pour le coup l'UTGP en fait il est autant là pendant qu'on va le trade au niveau du mine. Attention ambition, c'est compliqué la partie impériale. Ça va être dur pour Faker. Sur ambition quand même, voilà, qui va tomber. L'exos qui ne suffira pas à sauver la vie du midliner, le CSKT. Bonne agression de la part de Samsung, et on pourrait récupérer derrière la midliner éventuellement. Ouais, ça va être en plus. Sans problème. Et oui, donc pour revenir rapidement sur ce GP, en fait, oui, un Gangplank a besoin de dégâts pendant qu'on a un petit engage sur ambition. Là, l'arrivée également de Bane, l'arrivée de Wolf, le dash out sur le tir, oh, le super coup de langue qui va sniper le flash in. Flash in de Bane, on va récupérer le kill sur Crow. Oh là là, le coup de tête de Vraise qui nous fait une Wolf ici pendant que Blank se fait bloquer par le pathfinding sur Wolf sous la tour. Ça va, la déboration, on va désengager tranquillement ce Gragas et les T1 qui, grâce au bon move de Vraise, ne vont pas capitaliser sur cette récupération de kill. Sur Crown, on va rester simplement sur du œil pour œil, dent pour dent. Tu as pris mon midliner, je prends le tien. Ce par contrôleur, il a vu l'arrivée de Bang avec la Yumi en plus. Ça pourrait aller très très vite, je pense pas que sur le 1v1. Cette Tristana a la moindre chance d'aller affronter une MF. C'était smité par qui? Ambition à récupérer. Très beau move de la part d'Ambition. Très efficace aujourd'hui, hein. 2-0-1. Ouais. Avec un contrôle accru des objectifs neutres au niveau des buffs d'ailleurs en général. Pendant qu'on revoit ce move au niveau de la midline, Wolf là qui sort vraiment ce coup de langue, il fallait le chercher. Effectivement, il trouve vraiment la petite opportunité. Et auto-attaque Q-spell flashé de la part de Bane. C'est là qu'on voit l'intérêt d'un barrage de coups. Ouais. Voilà, il a pas fait. Kipo. Il n'a pas fait trop de dégâts effectivement avec son barrage. Et le trade encore au mid, la Crown qui voulait prendre le meilleur son Faker. Toujours l'arrivée d'Ambition. Ambition, il est ultra présent dans cette mid lane. Il a son espèce d'aller-retour là avec les deux tunnels. C'est j'arrive par le Mave Race et puis je repars par Mave Race juste après avoir mis la pression, enfin par Mave Corbin. C'est l'ancien. Décidément aujourd'hui je suis un petit peu old school. J'aime bien reprendre des options un petit peu. Oh, c'est par contre Ambition. J'aime bien aussi effectivement la Faker qui met un peu de pression. Attention, une 30 avant le repop du prochain Drake. Toujours avantage au gold pour Samsung, même si c'est un écart qui n'est pas dramatique puisqu'on a que 1,3000 gold en fait, enfin 1,300 gold. Bref, vous m'avez compris, d'avance pour Samsung. Et on avance tranquillement sur un timing très intéressant parce que pour le coup, SKT en 20 minutes de jeu, c'est assez efficace là. Donc on a la Trinité maintenant sur Q, sur Dio, donc ça y est, le GP est efficace. L'arrivée de Blank, est-ce qu'on peut récupérer ce Rebuff, ça ne sera pas fait, enfin le Blue Buff, pardon. Blank qui est bon dégâts, Blank qui va tomber, Wolf qui rentre également pour pas grand chose ici. Faker qui est zoné, Bang qui va arriver là sur QV, l'auto-attaque ça suffira, le barrage de blanc, il est là, et rouleur, le move, le double jump out ici, c'est très bien vu, Bang, le double ici. Double kill de la part de Bang, excellent travail du carry AD de CSKT qui renverse complètement le fight avec derrière l'arrivée de Duke pour terminer les joueurs Samsung. Mais les deux carry AD qui ont fait des choses tellement scandaleuses sur ce fight là. C'était voilà, c'était le fight des carry AD effectivement. Rouleur qui a fait, il a mis sa vie vraiment pour essayer d'annuler le barrage de plomb, alors, repartir derrière. Bon, le catch sur Blank est sympa mais n'est pas spécialement fou. Pour le coup là, Tristana en fait Rouleur qui se fait dégager. La bombe qui va se déclencher, donc Faker qui prend énormément de dégâts de la part de QV, Plank qui récupère le kill sur Blank. Blank qui fait un bon travail de hit and run, et là regardez en fait ce qu'il va faire Rouleur. Rocket Jump. En termes de testostérone, flashé. On se positionne ouais, à un niveau. Rocket Jump into on flash pour mettre un ultimate pour repousser la MF loin de la cible, low en point de vie derrière. Re-Rocket Jump pour essayer de s'enfuir. C'est effectivement très bien fait, mais Blake est resté stoïque. Il a pu faire la différence avec sa MF. Et il est là à l'avantage d'une MF en teamfight. En tout cas, à ce moment de la partie, ça met tellement d'importance, tellement d'impact. Il a un build assez intéressant. Yumi pour avoir un gros impact dans la partie derrière. Essence River, on va partir sur le scaling, sur les critiques après. Effectivement, et oula, attention, le bidon un petit peu raté. Et pour le coup, je me pose vraiment beaucoup de questions vis-à-vis de cette itemisation, dans le sens où une Essence River seule, en fait, une Essence River sans objet de critique, bah, c'est pas cause efficiente. On va arriver peut-être sur Rouleur. Oh là là, Blank ici, le fût qui va toucher, le smash, le coup de langue, Rouleur qui met de bons dégâts, le jump out. Attention également, le Headstar de Vraise en opposition. Ambition, il faut pas aller plus loin que ça côté SKT. Ouais, Rouleur qui maîtrise vraiment cette Tristana, il est solide dessus, il fait pas trop d'erreurs, on a mis instantanément la décharge explosive pour essayer de repousser
le Tam Kench. Malheureusement, il avait déjà réussi à recracher le Gragas. Du coup, il n'a pas forcément pu repousser les deux joueurs. Mais derrière, on temporise le Rocket Jump. Ça permet de s'enfuir tranquillement. Ça risque d'être un sacré duel d'ADC Carry quand même dans cette game. Clairement, oula, Ambition qui a eu chaud sur ce coup de bidon. Voilà, Faker, la partition, virgule. Et on va pouvoir récupérer le kill wall, voilà, qui va pouvoir dévorer son mid laner. Oh l'erreur, Bryce, non, ça va, le petit dash out sur les corbins, c'est bien vu ici, Wolf qui cherche à fermer la porte. Et le combo barrage de plomb par son impérial qu'on a vu essayer de. Qui a failli être setup parfaitement ici. Ça a mis des dégâts, clairement, on a vu les dégâts sur Crown notamment. 50% de vie sur cette Leblanc qui va pas forcément pouvoir se permettre d'aller énormément agresser. Ça permet à ses SKT de récupérer la T1 suite au kill récupéré sur le jungler de ses Samsung. Ça se passe plutôt bien quand même pour SKT là. On est repassé devant effectivement. Et là on arrive sur Azir, deux items, la MF même principe. La Malmortus terminée pour Duke là qui continue d'avancer sur sa Yumu. On est de plus en plus efficace côté SKT, là où Samsung commence à présenter des arguments également intéressants. Je pense notamment à la lame d'infini qui est terminée pour Ruler avec le Runan, qui va commencer à apporter des dégâts de zone très intéressants. Ça manque peut-être encore dans un troisième item deuxième item de vitesse d'attaque peut-être. Un dans son fantôme notamment qui pourrait faire du bien sur les jump-in. Ouais, effectivement, c'est vrai que là Ruler il va peut-être repartir sur énormément de DPS. Après il est niveau 13 donc il commence quand même à avoir une très bonne range. Le Kayale de ses Samsung. Et Faker qui va sur l'agression, va défendre Bang ici pour pouvoir récupérer la tour gratuitement du coup en mirror. À l'autre bout de la carte, c'est QV qui va pouvoir prendre cette T1 en bot lane. Égalité en termes de tour, hein. 3 tours partout pour les deux équipes, un dragon partout. On est vraiment dans une game ultra serrée. Aucune des équipes ne veut vraiment lâcher l'avantage potentiel à récupérer. Et on a deux équipes qui ont un scaling relativement similaire, je trouve, parce que Azir GP c'est quand même loin d'être mauvais en late game, et de l'autre côté on a le Ryze et la Tristana, donc on a vraiment deux carry aussi qui peuvent vraiment faire une grosse différence. Difficile de dire qui aura l'avantage dans les teamfights passé les 35-40 minutes de jeu. Effectivement, et attention Blank qui cherche encore un petit coup de bidon, le but, le barrage provenait sur la tour et on va aller gratter ce bâtiment côté SKT T1. Et ça manque un peu de wave clear pour le moment côté Samsung. QB qui vient d'arriver, les soldats des sables qui vont gêner et la tour toujours en mid-life ici. Ouais, l'impression de SKT est très très bonne. Ben qui joue vraiment très bien le coup à chaque fois, c'est plus de balles et sur le slow, mais le barrage de plomb qui permet en fait de forcer à chaque fois le rocket jump de Ruler, ça réduit énormément la capacité de mouvement de ce Kayade et va pouvoir simplement avec de la pression, simplement en mettant la pression Breath qui a pris un gros poke. On arrive à prendre cette T2, même pas besoin de prendre de kill, même pas besoin de forcer quoi que ce soit pour ces SKT. Ils semblent bien en domination là pour ce mid-game. Après, leur composition veut ça, c'est-à-dire que Bang, il y a un moment où il est peut-être le joueur le plus puissant actuellement dans la partie. Avec sa MF à 4, 2, 3. Ici, là, le petit fio au passage. Et Samsung qui cherche un engage, Ambition qui va se présenter sur le flanc gauche. On cherche juste un timing back côté SKT T1. 26 minutes de jeu, peut-être la Yumu là, qui pourrait sortir pour Duke. 1.50 avant le prochain pop du Drake. Alors, est-ce que t'as vu la rune d'ailleurs? Non, j'ai pas vu quel était le prochain Drake. J'ai pas fait attention. Malheureusement, on va voir ce que va pouvoir proposer les équipes. Ruler qui a fini son petit travail de farming. Ah, on l'a vu, tu l'as raté celui-ci. Mais bon, il est bien revenu quand même Ruler. Il est quasiment à égalité avec son vis-à-vis alors qu'on avait... À un moment, quasiment 20 CS de différence entre les deux Agikari. 3-0-1 surtout hein, pour le bon Ruler là qui va commencer à taper très très fort. La réponse pour Bang est intéressante avec ce Rapid Fire Cannon terminé qui va permettre justement de rendre rentable l'Essence River et derrière avoir une phase de siège très intéressante tout de même. Ouais, effectivement, ça risque d'être délicat pour ce Samsung d'aller chercher cette MF. Il va vraiment bénéficier énormément de range avec le Rapid Fire Cannon. Il a déjà de base beaucoup de dégâts. Et puis c'est mobile une MF, il n'y a rien. Tant que tu l'as pas touché, ça profite de son passif, ça court très très vite. Très très mobile, attention, la Yumu, la Blaine qui cherche l'engage, peut-être Faker qui fait avancer les soldats. Et pas de range nécessaire, enfin pas de range suffisante pour setup le teamfight. On cherche le catch sur QV, ici la fatigue, le slow qui est appliqué. Sur QV qui risque de tomber là sous les coups des SKT, on va pouvoir récupérer le kill assez gratuitement. Voilà. C'est Wolf malheureusement qui prend le kill, la réponse de Samsung est très très bonne. Il y a un TP, l'arrivée de QV, oh les dégâts en zone des SKT T1 qui peuvent faire tellement mal ici.
Voilà, le barrage, il est là. Oh, vrai, ce qui va cancel ici, c'est très bien fait. Duke Faker qui va rentrer. L'arrivée de Faker. On va pouvoir mettre beaucoup de dégâts sur vous là, notamment. Le premier kill, le deuxième, le Nashor, ambition, un smite peut-être. Oui, ça ambition qui va pouvoir au moins récupérer. Blank. Oh, le fût. Oh, rouleur qui tombe sous la pluie de balles. Ambition qui prend ses jambes à son cou avec son buff Nashor. Mais voilà, le mal est fait. Skatey qui prend le pas ici. Heureusement pour Ambition quand même qu'il arrive à sécuriser ce smite de la dernière chance pour récupérer ce Nashor. Sans ça, c'était game complètement over pour les Samsung. Là, c'était T1 qui peut quand même récupérer 7-3 en mid lane. L'inhibiteur qui devrait suivre assez rapidement derrière, 20 secondes avant l'arrivée de rouleur, 10 petites secondes avant l'arrivée de Crown. Est-ce qu'on peut éventuellement récupérer notre objectif? Ce sera la tour en top lane, peut-être la T2, quoique non. Ambition est là à la défense, pas de rotation de la part de CSKT. Et on va aller chercher le dragon infernal des nuages. Non, c'est un dragon des nuages. Dragon des nuages. Sur cette. Pas déterminant. Non, clairement pas. Pas déterminant du tout. Pendant qu'on voit cette action autour du pic du nageur, Faker qui sort vraiment une énorme phase de jeu ici. Voleur qui vient faire son petit sniping quand même. C'est bien vu, mais du coup il se fait punir par Blank. C'est Ben qui récupérera le kill avec la pluie de balle. 6-2-4 quand même sur la MF hein, de Ben. Très belle performance. On arrive à voir un petit peu le rôle de cette MF dans la composition de SKT T1. Ça permet de mettre des grosses phases d'agression, des moments où vraiment on va aller accélérer le jeu, forcer des dégâts avec un AD carry qui est excessivement bon en mid game pour aller forcer en fait, des objectifs notamment. Et avec la Rapid Fire Cannon, il a une grosse phase de siège comme tu le disais. Du coup, c'est vrai que là pour les SKT T1, ça se passe plutôt bien. Ça va être intéressant, on va voir si d'autres équipes pourraient éventuellement sortir la MF. C'est pas forcément le champion le plus plébiscité par les joueurs de Dekari. C'est vrai que le perso a vraiment disparu, même si au début de la saison 5, je dirais, c'est pas mal revenu depuis sa refonte en fait. Hein. La refonte avec l'arrivée des nouvelles maîtrises, oh, avec le Thunderlord. Oui, bah c'est 40% de points d'environnement pour vous. Et pour le coup, bah, là, il fait un très bon boulot dessus, Bang, mais je vois pas en quoi est-ce qu'il avait besoin d'une Miss Fortune pour faire ça. Il aurait pu faire à peu près la même chose avec un Lucian par exemple. Je suis pas sûr, parce que Lucian a quand même un petit peu moins de range sur la capacité à catch. C'est il vrai. Il a un petit peu moins de burst aussi, en tout cas sur simplement sur une auto-attaque du spell. On met quand même une grosse pression sur quelqu'un en restant relativement safe. T'as le pistolero dans la mécanique de boost de auto-attaque. C'est là. Vrai. C'est. En fait, pour faut savoir un truc, c'est que Riot a mis en place des refontes donc depuis l'année dernière quand même assez importantes avec des Juggernaut, Kariadé, Mage, et notamment l'un des axes utilisés pour ces refontes au niveau des Kariadé, c'était que chaque Kariadé était censé avoir un pic, enfin avoir une niche vraiment qui était faite pour lui, et la niche de Miss Fortune, c'est revendiqué comme tel par Riot, c'est d'avoir vraiment des dégâts de zone énormes, c'est un bombo combo, c'est un Kariadé fait pour les bombo combo. Et pour le coup ici, ce qui était bien se sert très très bien de ce pick MF, mais pas dans une optique de bombo combo, plutôt dans une optique de pick-up de domination lane, là où en fait on est plutôt dans la liche de Luxian normalement. Ouais, effectivement, après il y a un petit peu plus de contrôle du coup sur Bang, ça peut éventuellement aider un petit peu à faire la différence. Face à la Tristana aussi, je me demande si peut-être que Luxian était un peu plus dérangé par la Tristana. Je sais pas trop, j'avoue que je connais pas bien les match-up. Il n'y a pas forcément l'habitude de voir des Tristana et des MF. Mais du coup là pour l'instant pour les SKT T1, voilà, en tout cas on utilise au maximum le fait qu'une MS ça met quand même beaucoup de dégâts en zone. Bah sur le siège en fait c'est vrai que c'est pas mal, hein, la pluie de balles, le barrage de plomb, enfin la menace d'un barrage de plomb pèse toujours très très lourd bien sûr. Et là par contre Faker qui a pris une bonne phase, attention QV qui s'empale un peu dans le sol des sables. La tour qui se fait gratter, midlife ça y est, Bang qui met de bons dégâts, il manque pas grand chose ici. Son Faker qui prend de plus en plus de poke de la part de Crown. Crown qui fait un bon travail sur le millénaire de CSKT et ça force le back, on peut plus rester. Attention par contre la chute qui pourrait toucher sur Blank, des bons dégâts. Oh là, l'outil du gangplank dans le tunnel ici. Attention les petits couloirs, hein, c'est la zone de prédiction pour une MF. J'attends le turn de Bang, il est là derrière. Il n'y a plus beaucoup de mana, il va devoir mettre quelques coups d'essence river pour essayer de remonter en mana. Et l'ultimate qui a été utilisé simplement pour faire fuir ses Samsung. On va pouvoir back, le mal est fait pour les SKT T1, on a mis une grosse phase d'agression. Après les points de vie de la T3 vont quand même remonter. Ça va remonter effectivement et attention tout de même parce qu'on arrive à la 32e minute de jeu, bientôt 33. Samsung, on arrive sur des timings sur lesquels leurs hypercarries sont bien. Hein. Le Ryze, ouais. Il a le corps d'AP avec Séraphin séculaire, le corps pénétration avec le bâton du vide, l'ange gardien. Du côté de Tristana, on a le timing 4 items offensifs. Donc pour un Kariadé aussi late, bah, c'est une zone de confort clairement. Là où pour SKT, ce GP
scale, mais moins qu'avant, puisque là derrière on fait une transition sur le Land Infini, mais sans véritablement de critique. La Miss Fortune, c'est pareil, en late game par rapport à Tristana, c'est moins fort. Seul le Azir de Faker vraiment est là pour scale, et c'est un Azir qui est sur 1-2-7, qui n'est que 3 items pour le moment. Donc est-ce que ça va être suffisant pour tenir par rapport à Samsung? Je ne sais pas, Tech. Ouais, je suis d'accord avec toi, j'ai peur que les Skatetti One n'aient pas forcément réussi à mettre suffisamment de pression sur ces Samsung tôt dans la partie. Et là on va voir qu'on va commencer à voir Rouleur notamment qui va mettre des patates énormes. Faker qui essaie de catch un petit peu sur ambition, pas trop de dégâts positionnés, il a quand même pas mal de points de vie et de résistance magique, le jungler de ses Samsung. Clown qui continue à essayer de faire des petits catchs avec sa Leblanc. Avec Crown là. Dashback, pas de soucis. On rentre aussi dans la phase difficile pour une Leblanc. Récupérer des pick-up et mettre des grosses phases d'agression, pas évident. C'est de plus en plus difficile au fur et à mesure que les stuffs des adversaires avancent. Pas évident, mais on a vu qu'il fonctionnait quand même bien. Clown, je pense notamment la phase de siège au top tout à l'heure. Hein, ouais. La double phase qui sort sur Faker, elle permet vraiment à son équipe de pouvoir respirer. Et là pour le coup, Iskiti qui veut refermer son étau sur cette mid lane à une minute du repop du Nashor et également du quatrième dragon de cette game. On va être sur un Elder, bien sûr. Beaucoup de dégâts positionnés sur Rouleur, c'est très bien fait. On a Wolf en défense derrière le flash in de Bang. Attention, Bang qui prend beaucoup de dégâts quand même. Il n'y a plus d'évolution. Il va tomber sous les coups de Rouleur. Rouleur qui va tu tomber. La fatigue là. Blank qui va connecter là-dessus. Un bon coup de bidon. Ambition au pile. Attention, le jumping de Faker. La partition impériale sur QB qui va concéder un ange gardien. Ambition qui tente bien ici. Attention, l'arrivée de Vrai. Ce combo sur 3 joueurs, c'est bien fait. Mais derrière, le pack se regroupe. Et il va arriver à sécuriser le kill sur QB. Vresk qui doit reculer ici, le slow du Riley qui fait du bien, Faker pour un deuxième kill. Il y a l'ange gardien sur Bang, il peut se permettre d'aller chercher très très loin le Crown, Crown qui va être forcé au flash out. Ce serait ambition, la démonstration. Wolf, support dominateur aujourd'hui sur cette 35ème minute de jeu, sur la chute du deuxième inhibiteur. SKT qui semble en passe de réaliser le 2-0 contre Samsung. Effectivement, pour l'instant, pour aller le chercher juste sur un bon teamfight négocié par ces joueurs SKT, là, au moment où justement on se posait la question, est-ce que les Samsung ne vont pas pouvoir repartir en avance? Et on a vu le rôle de Bang, on le sait, une MF, ça n'a pas forcément beaucoup de dégâts sur la longueur. Sur le jump-in là, peut-être Rouleur, Rouleur qui Rouleur, met les intéressant, le Rouleur le doublé, Rouleur le triplé. Oh, oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud, Rouleur qui a failli faire d'exploit ici. Les deux tours du Nexus qui viennent de tomber, non, juste une, pardon. Ouais, il a grillé un petit peu Rouleur, il avait son rocket jump. Il aurait pu essayer de s'éloigner un petit peu de Wolf. Oh la Bang, il a grillé. Ah. Oh la vraie, c'est l'erreur là, les dégâts, la volonté de faire. Est-ce que ça va suffire? Ça va aller. Ah, c'était tendu, hein. Ambition qui va arriver avec un ulti. Bon, on va pas pour 3 d'engage efficace. Ah, je veux revoir ce triplé par contre. Effectivement, énorme travail de la part de Rouleur, vraiment. La tour qui reste en vie, les Skatetti One qui ne font pas la différence. Mais on a quand même fait un gros gros creux dans la base de Samsung. Ben qui va repartir de son côté de la carte, récupérer ce blue buff peut-être. Non, allez, on prend juste un petit peu. Juste la petite. Bah, il y a le sens river maintenant, donc au niveau du mana pour Ben, il n'y a pas de problème au niveau de la régénération de points de vie non plus via le Warlord. Et là pour le coup, il faudrait vraiment une lame d'infini pour cette Miss Fortune qui fait une transition sur une Malmorphus. Ouais, bah, j'ai vu ça. Oh, le coup de Nashor, c'est dur, bien sûr. Allez, on déward, pas de soucis à ce niveau-là. Attention, Elder disponible en même temps. Et pour le coup, Samsung est véritablement dans un dilemme ici. Puisque faire un Elder avec juste un Dragon des Nuages, c'est pas spécialement intéressant. En tout cas, ça vaut pas le coup. Et le Nashor est déjà contrôlé par SKT. Ouais, ça va être un peu compliqué. Je pense que du côté de SKT, ouais, on peut se permettre de laisser l'Elder Dragon assez Samsung, comme tu le disais. Pour aller en fait chercher le Nashor, mettre de la pression dessus et faire la différence. On se tourne un petit peu, on se regarde. Qui est avancé par les Samsung pour empêcher vraiment ces Skatetti One de prendre la position. Voilà, attention, Blank qui prend un peu de pop, ça va aller pour ce Gragas. Le bon sustain apporté par le visage Pelfay qui fait du bien. Faker, oh, peut-être, l'agression sur ambition, il met des bons dégâts quand même, Faker. Faut se méfier, il a enfin ses 4 items plus les bots de pénétration magique. Ça commence à faire la différence. Est-ce qu'on en parle de la Warmog de Wolf? Bah, il faut, c'est important. La Warmog de Wolf qui passe super bien en fait. Tamkench qui a été changé sur le patch précédent, ouais. Et qui maintenant au niveau de la mécanique de la peau grise en fait a, je dirais,
Alors je vais généraliser hein, pour pas rentrer dans le détail. Je dirais que c'est plus fort maintenant dans une phase d'encaissement sur les trades répétés, mais moins fort en sustain. Ouais. Et là pour le coup la Warmog apporte énormément de points de vie qui scale très bien avec le kit de sort time cache et permet également de compenser un petit peu ce sustain à moins de QI qui a pris un petit peu le slow ici. Barrage de plomb. Attention Vrace, la Bachette un petit peu empêtrée là sous les fûts, superbe flux explosif qui va dégager Ambition. Attention Faker qui prend la V1 sur le plan de la fatigue. QV, pardon, Duke qui va arriver à premier kill pour la part de Bang. Okay, oui, Faker qui va prendre le kill grâce à la passion impériale. Et Bang qui continue son petit chase sur son rouleur. C'est le un petit de jumping ici, la Wolf. De rouleur, c'est un peu de... Le slow, la fatigue, on se retourne, on turn ici sur rouleur. La dévoration peut-être de coup de langue. Bang qui sécurise un troisième kill ici. Il s'est peut-être vu un petit peu trop beau la rouleur. Il le sentait qu'il avait besoin de faire le move. Pour essayer de dépêtrer son équipe de la difficulté dans laquelle ils sont présents. Malheureusement ça n'a pas suffi. Énorme travail notamment de Wolf à la protection de son AD carry. Là il a mangé Bang juste au moment où la charge pouvait exploser. Faker qui va arriver grâce au voyage abyssal, l'arrivée sur l'Alboro. QV attention qui peut taper très fort ici. Duke qui tente de donner ce rise de focus sur Arexai qui va pouvoir trouver disengage. Bang qui prend une touche de T3 et derrière attention Faker qui va rentrer ici. On va ramener beaucoup de dégâts, Ambition, est-ce que ça va suffire? Non. Le barrage de plomb qui ne suffira pas à tuer les joueurs dans la fontaine. Et Nexus qui va tomber. 2-0 pour les SK Telecom T1 en 39 minutes de jeu. On se retrouve un petit peu dans la même veine que ce qu'on avait pu voir sur le BO précédent en fait. Avec des timings de game à peu près similaires. La game d'avant, tu veux dire? Non, du BO précédent entre les SK T1 et les... Ah ok, d'accord, j'avais pas compris. Pardon. Avec une première game en à peu près 30, un peu moins de 35 minutes et une seconde game un peu moins de 40 minutes. Avec des Samsung qui se défendent bien, mais qui font toujours à un moment soit la petite erreur, mais soit le move incroyable de ces SKT T1, notamment le teamfight, on l'a vu. Très franchement, j'ai été complètement séduit par le gameplay Samsung, notamment par Ruler et sa Tristana qui, à la fois en fait, sort un pick très original, hors méta. Je pense qu'on peut le dire, les hyper carrés, c'est quelque chose qui n'est pas fort du tout actuellement, en tout cas qui n'est pas mis en avant. Et c'est joué avec brio, avec ses rockets jump in, avec ses ultis, avec ses flashs sur les sides pour juke les barrages de plomb. Gros GG à rouleur, mais derrière, c'est ce qu'on disait un petit peu sur le plan de jeu, c'est la draft des Samsung en fait qui était quand même super super late avec ce Ryze, avec cette Tristana. Et même si on a senti à un moment donné la pression SKT qui était à peine suffisante, elle a été suffisante justement pour couper court à ce scaling. Et pour le coup, on ne fait pas trembler les champions du monde en titre avec une draft aussi late. C'est vraiment fou de voir les SKT One toujours jouer sur le fil à chaque fois. On laisse simplement la petite option à l'adversaire et on le sait, tant qu'on a de la marge de manœuvre, on l'utilise au maximum, on reste vraiment à la limite. Le dernier teamfight, enfin le teamfight qui leur permet de faire le creux et de reprendre l'avantage dans la game, c'est un teamfight, on le disait, juste au moment où les Samsung vont faire transition vers une domination en fait, en termes de scaling. Vers la 30ème à peu près. Et ça se passe très très bien. On a vu les dégâts notamment de Azir, de Faker, assez monumentaux. Et puis Bang avec la MF. Il a su utiliser en fait la puissance du NMF en termes de burst et de dégâts tôt dans la partie. Ils avaient besoin d'avoir un carry AD avec un gros mid-game, c'est vrai que Lucian aurait pu servir. Cette itemisation, honnêtement, à la vue des runes, on voit quoi? On voit beaucoup d'AD, on voit pas de pénétration flat. Ouais. Tu te dis, bon bah ok, le mec va jouer critique, pour le coup on va jouer late. Et en fait, il fait un hybride, il part pas Arpen, il part pas critique, il fait Yumu pour avoir justement cette domination en early, pour ralentir cette Tristana. Derrière, il fait une transition un peu chelou, critique avec l'essence river, le statique. Et il la fait même pas jusqu'au bout, puisqu'en fait, il fait même pas de lame d'infini, il fait une Malmortus à la fin. Et c'est vrai que cette ambivalence un peu de Miss Fortune qui, à la fois, en fait, va mettre des sorts très efficaces de par sa pénétration d'armure, également le barrage de plomb qui apporte beaucoup avec des critiques. C'était très bien vu de la part des SKT. Et Wolf, effectivement, MVP complètement mérité ici. Wolf, il a fait un gros travail. Voir toutes les actions de Wolf avec son time cage. On a eu des très bons moves aussi de la part de Bang. C'est vrai que Bang s'est fait un petit peu avoir en début de partie. Et pour le coup, ce pick time cage qui, je trouve, supplée plutôt très bien la Miss Fortune. Ouais. Qui compense en fait ce manque d'escape naturel par cette dévoration. Ce coup de langue est juste incroyable de la part de Wolf. Et QV derrière. Ouais, c'est en fait beaucoup de choses par des coups de langue de Wolf à chaque fois. C'est un énorme setup en fait, hein, le mec de rien, le coup d'un time cane, puisque c'est une range qui est loin d'être négligeable. Ça met un slow qui est quand même ultra important, ça permet de setup énormément de choses. Et tu fais peser la menace d'un knock-up, d'un stun, plus un knockback éventuellement avec la dévoration. C'est vrai que ça a plutôt bien marché.
Et là pour le coup, bon, la draft SKT avec un ange gardien sur Gragas. La Conta Fontaine est aussi permissif, c'est compliqué d'arriver à défendre. C'est vrai qu'il y a des moments où il prend des décisions, Wolf, il n'hésite pas. La porte. Ça c'est magnifique. Cette dévoration est incroyable parce que ça permet. En fait, Bang ne prend aucun dégât du coup de la part de Rouleur. Sans ça, Rouleur avait le kill. Honnêtement, il mettait la dernière attaque, il pouvait rocket jump out et le fight était complètement différent. Du coup, les timings effectivement de Wolf qui font la différence. On aide énormément Bang à mettre des dégâts. Félicitations pour ces SK. Des gars T1. Donc on devrait avoir l'interview. Ouais, petite interview. Alors pour le coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dropper, on va vous laisser avec les interviews, petite page de pub. Nous, on va reprendre après pour le deuxième BO qui sera, si je ne m'abuse. Ah oui, c'est vrai, on reprend à 13h, ouais. 네, 울프 선수 승리 축하드립니다. 네, 안녕하세요. MVP 오늘 처음이잖아요. OK, OK. Alors pour le coup, on va refaire des explications. Il faut savoir que actuellement les BO, le deuxième BO coréen commence à 13h et ouais, pas avant. Donc on va avoir une petite heure de trou. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser avec l'interview, une page de publicité. On va mettre une rediffusion de la game 1 du BO précédent, le temps de vous faire patienter pour qu'on arrive sur le deuxième BO. Nous comme ça on va aller courir, manger, se rafraîchir et on revient dans une petite heure. Du coup, à tout de suite. 네, 그랬던 것 같아요. 네, 오늘은 정말 MVP 자격이 확실한 그 슈퍼플레이를 많이 보여주신 것 같습니다. 뭐 울프 하면 또 떠오르는 전승 카드 뭐 알리스타 그리고 탐켄치까지 또 잘 다루는 모습을 보여주셨는데 그동안 연습 과정에서의 그 경기력은 좀 어땠었는지도 궁금한데요. 오랫동안 휴식기가 좀 있었잖아요. 일단 팀 전체적으로는 좀 괜찮았다고 생각해요. 팀 전체적으로는 괜찮았는데 제가 지금 솔랭 점수가 굉장히 낮습니다. 그래서 올림도 좀 받으시는 것 같은데 제가 작년 심지어 재작년부터 200점을 벗어나질 못해요. 그래서 롤드컵 때나 좀 반짝해서 좀 점수가 높아서 잘 나왔고 지금은 제가 실수가 좀 많이 나와서 좀 아쉬워요. 네. 개인적으로 단독 MVP인데 실수가 많이 나와요. 그러게요. 진짜 왜 다들 뭐 컨셉을 잡으시는 건 아니잖아요. 그러니까 되게 잘하셨는데. 아 근데 네, 좀 얼떨떨하네요. 근데 진짜 오랜만에 경기를 해서 그런지 약간 네. 약간 그 몸이 좀 덜 풀린 듯한 네. 느낌도 받았는데 실제로 좀 그런 게 있었나요? 몸이 덜 풀린 듯한 느낌보다는 제가 지금 감기에 걸려서 아 네, 여름 감기가 또 독하잖아요. 그래서 네. 좀 힘들어요, 감기 때문에. 네. 뭐 금방 낫겠죠, 뭐. 네, 1경기 초반부에는 분명히 약간 흔들리는 모습, 뭐 CS도 네. 관리가 좀 안 되고 이대로 가면 좀 힘들지 않을까라는 생각이 들었을 것 같은데 그때 판단이 좀 어땠었는지 궁금한데요. 그때 좀 상황을 딱 봤는데 좀 안 좋더라고요. 네, 그래서 네. 현실 도피를 좀 하려고 아유 캐릭터 차이 때문에 이렇게 됐네 하면서 게임을 하고 있었는데 네. 다행히 준식이가 미드에서 애쉬 궁으로 계속 좋게 나와서 저는 그래서 준식이가 MVP 받을 줄 알았어요. 그래서 그 판은 단념하고 아, 네. 할 거 하자 하고 있었는데 네 그러네요. De retour mesdames, oui. Juste le temps de faire un... vous montrer nos beaux faciès. Pendant ce temps-là, en fait, on meuble, comme ça notre AI bidouille des trucs de telle manière à ce que vous ayez une interview avec les sous-titres. Puisque en fait, pour le coup, le coréen, c'est quand même compliqué. Ouais, effectivement, on n'avait pas envoyé le bon clip film malheureusement. Donc là, voilà, on va voir au moins la traduction anglaise par-dessus. Ça vous permettra de suivre un petit peu cette interview de Wolf, le MVP des deux games du coup. Wolf qui est Qui a tout défoncé, clairement. Le meilleur support du monde actuellement. Voilà. Après, personnellement. Est-ce que t'as une déclaration d'amour à faire avec les côtés? Parce que là, je te sens tout chaud. Je suis complètement. J'ai vu que tu connaissais Wolf. KDA par cœur. Ça, ah ouais, non, ça titille un peu de partout. Là. Ah oui, ah, j'aime bien. Ah, Wolf, ça me plaît. ça me plaît. Non, mais il est incroyable. Il a cette capacité de prendre des initiatives, on l'a vu. Mais en fait, il l'a fait deux fois dans le BO. La première fois sur la Sivir, où il met Ignite, Combo, Thunderlord, il la tue alors qu'il est en train de se faire chase. Et la seconde partie, il fait ça aussi, il fait Flash, Dévoration, il arrive à attraper l'ambition juste avant qu'il atteigne sa fontaine, en mode non, tu rentres pas chez toi, je vais plutôt te dévorer, derrière il prend le kill. Il a vraiment ces phases comme ça où il brille, il arrive à faire des espèces de moves incroyables, et le reste du temps, il est juste parfait pour défendre sa team. C'est vrai. Et alors du coup, pour rendre hommage à ces petites pépites que je vois dans tes yeux quand tu parles de Wolf, si amis mèmeurs, mèmeuses et amis artistes photoshopiens et painters, si vous avez envie de faire un petit montage de Tech et Wolf, libre à vous et nous l'envoyer, on pourra essayer de diffuser ça. Ah vous pouvez, ça fera plaisir, n'hésitez pas à aller envoyer sur les réseaux sociaux. Une belle histoire d'amour comme ça, il faut pouvoir la mettre en avant, tu vois, il faut pouvoir s'en servir comme d'une souche, comme d'une structure pour laquelle s'exprimer. Et pour le coup, si Alex, t'as fini, est-ce que c'est bon au niveau de la réa d'ailleurs? Ok, d'accord.
Donc voilà, du coup on va partir raconter les conneries pendant 20 secondes et puis après on va pouvoir filer. Ça va devoir voilà tranquillement arriver. Wall qui, voilà, qui récupère 200 points du coup de MVP là. Ouais. Je suis assez curieux de voir en termes de du classement MVP. Alors attends, est-ce que je l'ai là? Je crois que c'est toujours Smep qui est devant. Ouais, bon. J'ai beaucoup de respect pour Wolf, mais il y a quand même des machines dans le classement MVP. Ah oui, non mais... Avec Smeb mais... 900 points, Beyond 700, Faker 700, Bang 600, Score 600. Et c'est là que c'est dur pour Wolf de monter au classement, parce qu'il y a déjà deux joueurs SKT en fait dans le ladder MVP qui pèsent de ouf. Après, il en est où Wolf, Wolf. Ah, il en est loin encore. Wolf, il était à... Hein? Il n'avait pas eu MVP Wolf? Non. Même pas un 600. Attemps. C'était le seul joueur. C'était le seul joueur MVP par SKT. Ah mais c'est pour ça qu'il lui a donné les 100 points. C'est bon, on en a marre de donner à d'autres. Ah du coup on est bon. Allez nous on va filer. On va désémoustiller Tech Tech un petit peu. Oui. Passer une bonne interview, une bonne rediff. On revient dans une petite heure. À toutes. SKT1 and here's our solo MVP for today, Wolf. And let's hear from him. First of all, congratulations, Wolf. It's your first solo MVP. 제가 지금까지 MVP가 포인트가 0점이라 I had a 0 point until today's match. I didn't have any MVP point, but I'm very happy to have a solo MVP for today's match. And especially it's against Samsung and it was pretty big game. 너무 잘해서 팀이 좀 못해야 제가 또 주워 먹을 게 있지. 저희가 Now the Wolf saying that our teammate is way too good, so it's hard for me to get MVP, but today I finally got it. 슈퍼 플레이를 많이 보여주신 것 같습니다. 뭐 울프하면 또 떠오르는 전승 카드. Now Dongjun say you have shown a lot of super play and also you have all the matches using a champion Ali Star. And you guys had a lot of break time during the last match. So how was it? How was the overall as your team? And Wolf saying that overall our team is pretty good. And then he's saying that I didn't get any MVP point until now, so I was very kind of upset with that. But today I got the point, so. 반짝해서 좀 점수가 높아서 잘 나왔고 지금은 제가 실수가 좀 많이 나와서 좀. So he's saying that I had some mistake before previous game, but overall I think I did pretty good today's match, so I'm really happy with it. 되게 잘하셨는데. And Carl Templer said, you did pretty good today. And they're just laughing. And now Carl Templer said that at the beginning of today's first game, you guys were quite not ready for playing as a match because there was a lot of mistakes were going on. But overall, when the game were going along, it was pretty good. So how was it overall? And then Wolf say we kind of had a break time during the before last match, and there were a lot of long term break. But even though we had a hard time, we came back and we got the match back. 현실 도피를 좀 하려고 아유 캐릭터 때문에 이렇게 됐네 하면서 게임을 하고 있었는데 네. 다행히 준식이가 미드에서 애쉬 궁으로 계속 Now the Dongjun are talking about the AD carry playing and then the Wolves he asked about some MVP for didn't a Bang should get the MVP and Wolves 네. also thought of that Ash had a great using ultimate also crystal arrow shot was pretty decent so he thought that Bang should have got the MVP also but he's really happy with getting a solo MVP so Now they're moving into the highlight video clip right here. So it was a super play from Wolf. So now they want some explanation from Wolf. So Wolf tried to let the Bang go back to his base, recall. He was just helping it, but Ambition came in too closely. So that's why he had a great finish toward the Ambition. He said a very normal basic stuff and then the Dongjun said, I thought that you might say something very fantastic, but nothing really fantastic. And now they're having a joke and then Bang said, well, nothing special. I was just, he was being really close. That's why I had a finish and my teammate were very close around.
So now Cloud Temple asking, is it the old Crystal or like first game? Is it Bang had a call on the teammate overall today? Did he start the team fight today? So now the Wolves overall the call is made by Faker and Bang. So. And then the Cloud Temple asked the Bang, did you make any call? And then the Wolf said, oh, I didn't make any call. I was just waiting behind and just look for who's coming in. And I tried to help our teammate out. So now he thinks that he won the match today because of all the fan came for today's match. A lot of cheers were coming on. So those kind of things really help us getting a cheer. There were call going on, so like a Bang, should I throw the arrow? Like, and then the Bang's like, oh, why not? Just take a shot. And then it got hit like 3 times in a row, so I think it was pretty surprised. So now they're moving into the another highlight video clip that the Wolf had a solo kill on the ruler. So they're asking question about that. So Bang said that Alistar is pretty strong in the even though I had a great damage going on, and then I was waiting behind that golem, and that's how I get solo kill, because I think the ruler couldn't see me in the behind. So, and I think Alistar is pretty strong on those kills, so that's why I was waiting there. So now they're moving into second game in story, and then Dongju were asking about Tam Kenzie play of Wolf. So what do you think about the Tam Kenzie play overall? There are a lot of pick were going on. So Bang, he thinks that it's good to use Tam Kenzie because it's great ultimate and easy to save his own teammate, and also there are a lot of champions are chosen because it's good to help AD carry. So I think that's the reason why we pick Tam Kenzie this day. And there are a lot of buffer going on. And then the main part is that the buff from the ultimate, that ultimate by the Tam Kenzie, that is, the time has been shortened. So I think those part is really great aspect of this new patch. So there are some parts that you guys were might kind of like their surprise team fight from Samsung, and those kind of like a simultaneous fight were going on. So how did you guys prepare for that? And also there were like a 4-ban from AD carry in the second game. And then Wolf said, we didn't surprise, but Bang was pretty good, and we kind of expected some pick, and that's why we used Misfortune today's pick. And we were kind of prepared before. We had a lot of scrim, we had practiced a lot, so we weren't that surprised. So now Dongjun asked about the Rice pick, because we thought that there were the mid lines, but later on it changed to top lane. So any shock from you guys in the SKT one? And then the Wolf saying that we weren't that surprised that we were questioning about there might be a Ryze in the top lane, so we should be prepared. And then we were actually expecting it, so we weren't that surprised overall. So the Cloud Temple and there were a lot of scenes where were very close, and almost you guys in that like video clip here, you guys almost finished the game, but there was like a triple kill from a ruler. So what do you think about that? And then you had a great super of it. And then the Wolf saying that, I think that's pretty cool what I did there, swallowing the little dragon. Tristana. And then now the Cloud Temple keep teasing him that you overall keep saying that pretty good those were. So, and the Wolf saying that, well, this is what we've been preparing for like over the weekend while we have a break. So it wasn't that surprise. 네, so. 자기 화면 보고 네 일단 네, 정말 네. 각자 알아서 잘 네. 하며 뭐 정규에서 So he's saying that every 네. one of us 네. are doing great. That's the reason why we won the game. 네. And no one is like specifically perfect or anything. We're all good as a team. So 의도적으로 안 하는 분위기인가요? 저는 그래요.
아니 성구가 잘하면 칭찬하죠. 성구는 너무 잘하니까. 아, 네. 네. 아 그래서 블랭크 이거... 선수 얘기 나온 김에. 네. Now they're talking about blank. 좀 여러 가지 분석도 나오고. So they're kind of. 뭐 그런 안 좋은 피드. There are a lot of some picks were going on. 보면 진짜 잘하는 거 같아요. But especially blank are really good at the Gragas play. 플레이적으로 뭐 계속 자신감도 넘치고. And also blank had a lot of mistake before. Like there was some mistake and he was very down. When he had a mistake, but like what kind of thing that helped him improve a lot? And Wolf said that as a team, if he make a one mistake or few mistakes were going on during the game, we keep cheering him and give him a lot of confidence during the game. And also the after the game, we keep telling him you've done a great job, so don't be down. And those kind of I think were thing make him blank were more aggressive and confident during the game. So now. Now you guys have a next game is against Africa Freaks. So how you guys gonna prepare and what do you think about it? 1라운드에서는 물론 패배했지만 저희가 지금 또 We have lost against Africa Freaks in the first round, but we have a lot of scrims, we're arranged, and we're practicing a lot. So I think we'll be very well prepared for the Africa Freaks. 알겠습니다. And I think we're gonna do great. 마지막으로 네, 이렇게 또 즐겁게 인터뷰 함께해주신 팬 여러분께 감사. And any message to your fans for today who came by? MVP를 받으면 하고 싶은 말이 너무 많았는데. Oh well, I didn't got any MVP for now. I have a lot of things to say before, but I forgot what to say today. I didn't know I got the solo MVP for today. But I really thanks to all my fans who came here and please come to the stadium all the time and cheer for us. And even though you guys are cheering for Faker or Bank, but please cheer for me too. 조심히 돌아가시고 and be safely go back to your home and thank you. 네, 알겠습니다. And I guess that's it for today's Smash interview and back to you guys. All right, thanks for the transfer.